Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ouvre cette séance du Conseil municipal de Lancy du 25 juin 2020. J'ai le plaisir de vous saluer, mesdames et messieurs les conseillères municipales et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire, mesdames les conseillères administratives, madame la secrétaire générale, madame la secrétaire du Conseil municipal, mesdames et messieurs les collaborateurs de la commune, mesdames et messieurs du public qui nous suivez peut-être sur Internet, je ne vois pas grand monde dans la salle. Voilà, petit rappel pour le départ, pour la sécurité, je vous prierai de rester tous à vos places et de garder les distances sociales, ça va aussi pour le public. Et puis, un deuxième rappel, nous sommes filmés, mais nous sommes aussi enregistrés pour le PV. Donc, je vous demanderai, quand vous prenez la parole, d'attendre que le micro vous soit donné, sinon ça ne sera pas inscrit au PV. J'ai pas vraiment eu d'excuses, sauf M. Brunier, où j'ai entendu qu'il pourrait ne pas être présent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont excusées? Je crois que sinon on est au complet. C'est très bien, nous pouvons commencer avec l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications qui sont demandées? Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Merci, merci, Monsieur le Président. C'est juste pour annoncer qu'au point 12, ce n'est pas Monsieur Yves Page qui rapportera puisqu'il a arrêté le municipal, c'est Monsieur Alain Fischer qui fera le rapport de Monsieur Page. C'est noté, merci Monsieur Eschbacher. Madame. Merci Monsieur le Président. Alors pour ma part, je ferai le rapport de la commission des au point 7, commission des travaux et constructions, aussi de la séance du 2 mars à la place de Madame Gachet-Greyfield. Et idem pour le point 10, je ferai le rapport à la place de Madame Gachet-Greyfield. Merci Madame Adam, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Oui, Monsieur Jotran. Merci. Pour les points 11 et 15, ce sera moi qui prendrai la parole à la place de Madame Rosselet pour le rapport. Je vous remercie. Madame Captine, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on souhaite une modification de l'ordre du jour pour que soit traité le point 7, plutôt résolution, et qu'ensuite les points soient décalés, point 8, point 9, point 10, si ça c'est possible. Merci. Merci, Monsieur Couteau. Vous vouliez prendre la parole? Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que je ne sais pas si on pourra présenter les rapports des commissions des travaux, sauf erreur, que M. Jean Fontaine devrait faire. Et je ne l'ai pas reçu. Donc, nous noterons qu'on aura un problème. Je ne sais plus quel est le point pour le rapport de M. Jean Fontaine. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de modification de l'ordre du jour? Si tel n'est pas le cas, je vous demanderai de le voter à main levée. Ceux qui sont d'accord avec cet ordre du jour tel qu'amendé, je vais y lever la main. À l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. En point 2, nous avons l'approbation du procès-verbal des séances du 28 mai et du 2 juin. Je vous propose de commencer déjà par celui du 28 mai. Est-ce qu'il y a des réflexions, des modifications? Oui, Monsieur Vogel, vous avez la parole. Un tout petit point de détail de Pinailleur. Il y a un souci de cohérence entre une séance ordinaire et extraordinaire. Il y a les deux qui sont évoqués dans le PV. Et voilà, il faut juste qu'on choisisse l'un ou l'autre. C'est extraordinaire de toute façon. Alors, extraordinaire, mais il faut que ce soit cohérent à travers le document. Très bien, merci. C'est noté. Les modifications seront faites. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si tel n'est pas le cas, nous allons voter celui du 28 mai. Ceux qui sont d'accord avec ce PV, je vous prie de lever la main. J'arrive à 17 oui. Ah ben, il faut qu'il y ait deux comptes. Ceux qui le refusent. Personne. Ceux qui s'abstiennent.
17 et 11, on devrait être à 35. On va recommencer, sinon ce sera de toute façon à la majorité. Alors je vous prie, ceux qui l'acceptent, veuillez lever la main bien haut, s'il vous plaît. Oui, ceux qui le refusent, personne, ceux qui s'abstiennent, bon, de toute façon, la majorité est là. Il y a de toute façon plus de oui. On a 18 oui et le reste sera en abstention. Ce rapport est approuvé. Merci à son auteur. Et nous allons passer maintenant au procès-verbal du 2 juin. Y a-t-il des réflexions, des commentaires sur ce procès-verbal? Si tel n'est pas le cas, ceux qui l'approuvent, je vous prierai de lever la main. Merci. Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie, ainsi que les remerciements à son auteur. Communication du bureau. Selon l'article 18 de notre règlement, nous devons nous prononcer sur les dates des conseils municipaux pour le semestre à venir. Pour plus de simplicité, vous avez reçu les dates sur l'année entière, ce qui nous permet de nous organiser tous un peu. Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ces dates ou peut-on penser qu'elles sont approuvées ? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Nous allons donc, le calendrier est donc fixé. Communication du conseil administratif. Il y en a. Merci. Je vous en prie. Monsieur Bonnefanté. La première est relative en fait, au journal Le Lancé 1, où dorénavant, la journaliste pourra poser des questions aux élus à la fin de la séance en fonction des thématiques qui seront présentées. Donc ne partez pas en courant à la fin de la séance et laissez un peu le temps à la journaliste de pouvoir venir vers vous pour vous poser des questions si elle en a. Elle est juste présente ici, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est Judith, voilà. Je vous remercie, Madame Meillard. Non, j'ai encore... Pardon, excusez-moi. Oui, j'en ai deux, désolé. La deuxième est relative en fait, donc, à la première, au 1er août, à la fête nationale. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers municipaux, donc, le conseil administratif a dû prendre la décision d'annuler donc, les festivités liées à la fête nationale qui se déroule habituellement au parc Navazza Ultramar. Comme de nombreuses autres communes du canton et de Suisse, les contraintes de distanciation sociale et de nombre imposés par l'Office fédéral de la santé publique ne permettent pas de réaliser une fête regroupant traditionnellement 3 000 à 4 000 personnes sur le site du parc. Ne souhaitons pas que cette fête populaire ouverte à toutes et à tous se transforme en une fête fermée où il aurait fallu s'inscrire ou être tiré au sort pour y participer. Les autorités ont dû prendre cette décision qui n'empêchera pas nos compatriotes de fêter la Suisse de manière patriotique avec leurs familles et amis tout en respectant les gestes barrières. Voilà. Merci Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, Madame Meillard. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. J'ai trois communications. La première concerne l'aide alimentaire. Je souhaitais vous informer que la première distribution a eu lieu hier, ici même. L'un des challenges était de faire en sorte que la salle dans laquelle vous tenez votre conseil ce soir soit encore fonctionnelle, ce qui est le cas. Vous savez peut-être, donc suite aux distributions d'aide alimentaire centralisées au Vernet pendant plusieurs semaines, le canton a souhaité décentraliser l'organisation et la distribution pour des raisons logistiques et des raisons de dignité des personnes bénéficiaires. La commune de Lancy a immédiatement répondu présent et proposé son concours pour être l'un des centres de distribution. Il a fallu juste le temps de s'organiser.
Nous aurions été prêts la semaine passée, mais c'est Partage qui nous livre les colis qui ne l'étaient pas encore. Mais à partir de hier et tous les mercredis, en tout cas jusqu'à fin août, il y aura une distribution d'aide alimentaire pour les bénéficiaires concernés par notre secteur. Je vais revenir là-dessus. C'est mis en place par le service des affaires sociales et du logement, avec le concours de l'Hospice général, avec l'aide du service de l'environnement et du développement durable pour la mise en place. La première distribution hier s'est très bien passée. Nous avions prévu 300 colis, nous en avons distribué 250 à 155 familles qui ont pu prendre, suivant la taille de leur ménage, plusieurs colis. Tout s'est très bien passé. J'ai souhaité être dans une perspective intercommunale dès que cela était possible. Donc, dans un premier temps, hier, nous avons uniquement ouvert cette distribution aux personnes domiciliées sur l'ANSI pour être sûr qu'on arrivait à gérer, à comprendre comment s'organiser, etc. On a déjà tiré un certain nombre d'enseignements. Sachez que le conseiller d'État est venu rendre visite hier. J'étais moi-même sur place aussi et a trouvé cocorico que nous avions une excellente organisation. Bref, mais tout s'est très bien passé et l'idée, c'est de proposer aux autres communes qui avaient été évoquées par le canton comme notre secteur, en l'occurrence Bernay, Confignon, Avuy, Plan-les-Ouates et peut-être Aunay, de travailler avec nous, avec évidemment une mutualisation des ressources, donc toujours sur ce site qui permet une certaine ampleur, qui est bien pensé pour l'extérieur au moment où s'il devait y avoir de fortes files d'attente, ce qui n'a pas été le cas hier. Mais sachez qu'il y avait quand même des personnes qui étaient déjà là 4 heures avant le début à 16 heures pour avoir leur colis, mais qui ont pu repartir très vite et tout s'est très bien passé. On avait un bon staff de bénévoles. Donc voilà, je tenais à ce que vous soyez informés de cela. C'est le premier point. Le second point, le second et le troisième point, concerne les effectifs scolaires et la situation de l'école du Sapet ainsi que de l'école du Petit Lancy. Vous avez peut-être vu que Lancy avait le bonheur d'occuper passablement les médias depuis début juin, en fait. Alors, ces deux situations ont des points communs et des différences. Les points communs, c'est que vous le savez même mieux que moi pour ceux qui étaient déjà conseillers municipaux avant. Nous vivons une période au niveau du canton extrêmement forte en termes d'augmentation du nombre d'élèves. Donc ça, ce n'est pas une spécialité de Lancy. Par contre, à Lancy, l'augmentation est d'autant plus forte étant donné que nous construisons beaucoup de logements, et je m'en réjouis, à la hauteur des attentes du canton, mais que les infrastructures scolaires ne suivent pas toujours aussi vite qu'il faudrait, et pas forcément uniquement à cause de Lancy. Mais évidemment, ça provoque de grandes tensions sur les effectifs, et c'est toujours un challenge de réussir à trouver une classe, une place pour chaque élève dans chaque école. Ça, c'est la situation générale. Depuis que j'ai repris la charge à la fois du dicastère des travaux et celui du social, et la question des effectifs scolaires se trouvait à cheval entre ces deux services, dont la coordination par le passé n'a pas toujours été parfaite. J'ai décidé de mettre en place un groupe de pilotage interservices pour l'avenir, mais j'ai dû gérer ces deux situations. Ces deux situations concrètes, elles ont des points communs, évidemment, et puis elles ont aussi des différences. Dans les deux cas, j'ai réagi très vite, donc ça m'a occupé largement depuis ma prise de fonction. Dans les deux cas, j'ai souhaité recevoir les parents des enfants concernés. Cela a été fait, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse, le 11 juin dernier pour l'école du Sapet. Cela sera fait demain après-midi pour l'école du Petit Lancy, en collaboration avec le DIP. Dans les deux cas, je serai accompagnée, je serai accompagnée notamment de la direction d'école concernée. Pour rappel aussi, nous gérons les bâtiments que nous devons mettre à disposition pour l'école primaire, et c'est le DIP qui choisit, qui répartit les élèves en fonction des places disponibles. Donc voilà, il faut se coordonner, ce n'est pas forcément facile, mais chacun a sa part de sa sphère de compétences. Ce qui a été mis en place, vous l'avez peut-être vu au SAPE, je ne vais pas aller évidemment dans tous les détails, mais c'est j'ai réussi à obtenir l'accord, un changement de position, tant de la part de la commune de Plan-les-Ouates
qui est copropriétaire de l'école du SAPEC, qui est une école intercommunale, que du DIP pour la mise en place de bâtiments provisoires, 6 classes, qui ne seront évidemment pas à disposition dès la rentrée, mais qu'ils seront normalement en février 2021, ce qui nécessite d'être extrêmement rapide sur les autorisations de construire. Je vous passe les détails techniques. Mais j'ai pu obtenir cet accord à force de travail. Au moment où je suis entrée en fonction, je n'étais pas du tout satisfaite de la solution qui avait été prévue, de déplacer un certain nombre d'enfants de 1P à Chanjoly sur Plan-les-Ouates, qui n'est pas l'école en plus la plus proche du SAPE, avec un certain nombre de difficultés. Et avant même d'avoir contact avec quelques parents ou quelques journalistes que ce soit, j'avais déjà commencé à remettre l'ouvrage sur le métier. J'ai été informée de la situation de l'école du Petit-Lancy à peu près 10 jours après. Donc il y a une dizaine de jours. Là, la situation concerne 20 enfants à peu près et pas 40, et elle est uniquement pour l'année prochaine, étant donné que pour le SAPES, ces bâtiments provisoires vont permettre de voir venir sur les prochaines années, alors que pour l'école du Petit-Lancy, il y a l'école du Plateau que nous sommes en train de terminer de construire, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2021 dans une formule encore plus large que ce qui était prévu à la base, directement avec un groupe scolaire complet. Mais là aussi, c'est la course contre la montre au niveau du service des travaux. La solution qui est préconisée et qui va être mise en place pour le Petit-Lancy n'est certes pas idéale, pas plus d'ailleurs que celle du SAPE. Il n'y a pas de solution idéale. La solution idéale, c'est une école de taille correcte et sans enfants surnuméraires, sans enfants à déplacer, sans enfants trop nombreux dans les classes. On est bien d'accord là-dessus. L'idée, c'est de faire une pondération. Donc, pour le Petit-Lancy, c'est la moins pire des solutions dans le cadre donné. Je soutiens la décision qui a été prise par mes anciens collègues, enfin mes prédécesseurs, dans ce dossier. Donc, la décision ne changera pas et l'affectation non plus. Par contre, j'ai souhaité, comme je l'ai fait pour l'école du SAPE, avoir un moment d'échange avec les parents pour pouvoir leur expliquer pourquoi on était dans cette situation, qu'est-ce qu'on avait essayé, qu'est-ce qu'on n'avait pas retenu, et les entendre sur leur colère, leur inquiétude, leur angoisse légitime que je comprends. Enfin, je me désolidariserai devant eux et devant vous aussi ce soir de la communication qui a été choisie par le DIP. Je n'entre pas dans les détails, mais très tardive et très inadéquate. Et je m'en désolidariserai devant les parents, devant vous également. J'en étais pas informée et c'est pas à ça que j'ai donné mon accord. Donc voilà, deux solutions différentes par rapport à un problème identique, mais quand on va dans le détail, la situation des deux écoles n'est pas la même. Je suis à votre disposition quand le président le souhaitera ou en marge de la séance après, si vous avez d'autres questions. Je sais que beaucoup de personnes ont été interpellées, etc. Et je suis évidemment à votre disposition si vous souhaitez échanger là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Meyer. Madame Gachet. On va juste attendre le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ça concerne l'ouverture de la piscine Marignac. Vous savez qu'on a ouvert avec un plan qui avait été prévu par l'OFSP relativement restreint. Et puis, depuis jeudi, on a pu élargir les horaires qui seront mis en application à partir de samedi. Donc, on a transformé les trois plages horaires en deux avec une jauge de 1000 personnes par tranche horaire. Et puis, on maintient la réservation en ligne. Actuellement, juste à titre d'information, pour les deux créneaux de samedi et dimanche, on a déjà vendu quasiment 300 tickets sur les 1000. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et puis, on maintient donc les deux ouvertures pour les seniors le mardi et le jeudi de 7h30 à 9h. En fonction des nouvelles directives, nous pourrions être amenés à augmenter la jauge, voire même à laisser en libre ouverture. Pour le moment, on adapte le système en fonction des nouvelles de l'OFSP, mais actuellement, donc, le système nous permet d'accueillir 2000 nageurs par jour, et ce jusqu'à contre-indication et changement de politique en fonction des nouvelles du front par rapport à l'épidémie.
Merci Madame Gachet. Monsieur Bonnefanti, vous voulez reprendre la parole? Par rapport au sujet précédent, nous souhaitions, le conseil administratif, remercier vivement l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé sur cette problématique, dans la mesure où pendant quelques jours, ils ont dû vraiment travailler à trouver une solution qui a réussi, heureusement, on a trouvé une solution qui permet quand même d'éviter des enfants de se balader pendant 2 km pendant toute une année, voire plus. Donc le service de l'environnement du développement durable, ainsi que le service des travaux d'urbanisme et de la mobilité et les affaires sociales qui ont vraiment, vraiment travaillé pendant quelques jours à trouver une solution. Donc on peut les remercier par rapport à ça. Je vous remercie. Je pense que les communications du conseil administratif sont terminées. On peut passer au point 5, à savoir proposition du conseil administratif. Est-ce que vous avez des propositions? Je vous remercie. Donc nous allons passer au point 6, projet de délibération du conseil administratif. Le point 6A, mobilier urbain, changement des horodateurs, dématérialisation du stationnement, crédit d'investissement de 190 000 francs. Madame Gachet, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, ça concerne un crédit de 190 000 francs de manière à pouvoir remplacer les 31 eurodateurs actuellement sur le territoire lancéen par 29 nouveaux eurodateurs. Ils nous permettront donc l'acquisition de ce nouveau matériel, la pose, le remarniement et la pose de peinture au sol. Ça nous permettra de nous mettre en adéquation ensuite avec le système qui sera prévu par la suite avec la Fondation des parkings, avec entre autres la possibilité, de payer par carte de crédit, mais après par téléphone. Donc c'est une première étape. Le système devrait être opérationnel au 1er janvier 2021. Merci beaucoup. C'est une entrée en matière. Est-ce que la parole est demandée par rapport à l'entrée en matière? Monsieur Gaulet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors par principe, je vais m'opposer à ce crédit d'investissement. Tout simplement, je suis contre toute forme de taxe, notamment celle qui touche l'automobile. Si on regarde, c'est un peu arbitraire par rapport aux cyclistes, qui, eux, ne payent absolument rien. J'estime que les macarons délivrés aux habitants de la commune et puis pour les autres qui viennent visiter, que ce soit un commerce ou bien des personnes implantées sur notre commune, les disques de stationnement suffisent. Il n'y a pas besoin de faire plus de contrôle que cela pour justement éviter les abus de stationnement par les pendulaires. Donc voilà la raison de mon refus pour ces formes d'horadateurs qui permettent des taxes qui sont des impôts déguisés. Je vous remercie. Merci, M. Gaulet. La parole est-elle encore demandée par rapport à cette rentrée en matière? Si tel n'est pas le cas, je vous propose de la voter. Celles et ceux qui sont d'accord d'entrer en matière sur ce sujet, veuillent bien lever la main, s'il vous plaît. Merci. Les personnes qui la refusent. 2. Celles et ceux qui s'abstiennent. 1. C'est donc une unanimité, moins 2 contre et une abstention. Le bureau vous propose de renvoyer ce sujet en commission de la sécurité. Y a-t-il d'autres propositions? Très bien. Nous allons voter ce renvoi en commission de la sécurité. Celles et ceux qui approuvent, veuillez bien lever la main. Merci. Celles et ceux qui refusent. Celles et ceux qui s'abstiennent. Parfait. Par unanimité, moins 2 abstentions, nous en renvoyons ce sujet. Unanimité, moins 2 non. Nous renvoyons ce sujet en commission de la sécurité. Point B. Dépôt de la voirie de Lancy, agrandissement de la mezzanine, crédit de construction de 280 000 francs. C'est une entrée en matière. Madame Meuillard, je pense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez vu qu'il y avait deux entrées en matière concernant concernant la voirie de Lancy. Je vous parle d'abord de l'agrandissement de la mezzanine. Suite à l'augmentation du personnel, il est nécessaire d'avoir à la fois des nouveaux bureaux et d'augmenter,
en compensation de ces nouveaux bureaux dans cette voirie, de pouvoir augmenter la surface de stockage qui est nécessaire pour le matériel très conséquent que le service de l'environnement et du développement durable doit stocker, les tables, les chaises, etc., les vaubans, tout ce qui est nécessaire aux infrastructures mobilières. Donc, nous avons pris du retard. Idéalement, on aurait pu avoir cela déjà en septembre 2020. Là, on va déjà ambitionner de vous le présenter en commission en septembre 2020. Le tout pour un montant de 280 000 francs qui n'était pas prévu au budget, raison pour laquelle nous vous proposons d'étudier ce point à la fois en commission des travaux et en commission des finances. Je vous remercie, Madame Meyer. C'est une entrée en matière. Celles et ceux qui veulent s'exprimer sur cette entrée en matière. Tel n'est pas le cas. Ceux qui approuvent l'entrée en matière veulent bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe directement, à moins qu'il y ait des objections, au vote sur le renvoi aux travaux et aux finances tel que proposé par la conseillère administrative. Celles et ceux qui sont d'accord sur ces deux commissions veulent bien lever la main. Merci. À l'unanimité, ce sujet est renvoyé dans les deux commissions, à savoir les travaux et les finances. Point C, aménagement des espaces extérieurs publics du quartier de Surville, crédit d'études, 205 000 francs. Madame Meyer. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc cette fois d'un crédit d'études pour le quartier de Surville en ce qui concerne les aménagements extérieurs. Vous savez qu'un grand quartier avec une forte densification est prévu dans ce secteur. Et puis, il s'agit avec ce crédit d'études d'étudier, comme son nom l'indique, selon le plan que vous avez en page 4, une partie, c'est-à-dire vraiment les aménagements extérieurs, de manière à en faire, j'aime l'image, la possibilité d'habiter un parc, de travailler sur la qualité des espaces publics, de limiter les haies, etc., d'avoir un environnement calme et apaisé. Donc ce crédit d'études se monte à la somme très précise de 203 500 francs. Et étant donné que ce montant était prévu au budget des investissements 2020, il n'est pas nécessaire qu'il aille aux finances. Et nous vous proposons donc le renvoi pour étude à la commission des travaux. Merci, Madame Meyer. C'est une entrée en matière. Monsieur Gaulet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe MCG va s'opposer, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi on va voter non à ce crédit d'étude pour les aménagements extérieurs. Il faut se rappeler que le MCG avait refusé le plan localisé de quartier de Surville. Donc, on ne va pas soutenir aujourd'hui, bien évidemment, les aménagements extérieurs si on était contre l'aménagement du tout. Donc, raison pour laquelle on va voter non. Merci, M. Gaulet. La parole a été demandée. Oui, M. Haas, vous avez la parole. Personne. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma position, elle est différente de celle du MCG, mais je vais vous dire pourquoi ce message me pose un vrai problème de fond et de forme. D'abord, en page 4, quand on parle de la situation générale du mandat, on nous dit que la requalification des espaces publics existants seront réalisés dans un deuxième temps et feront l'objet d'une autre demande de crédit. Or, on vient de l'entendre dans la bouche de Madame Meyer, et ça me fait plaisir de l'entendre. Ce quartier de Surville, il est emblématique. C'est vraiment notre lieu phare à Lancy. Pour la petite histoire, puis comme on est en début de législature, mais je ne vais pas prolonger, la couronne paysagère et le cordon boisé de Surville, c'est les armoiries de la ville de Lancy. Et ce quartier, ça fait bientôt 30 ou 40 ans qui fait l'objet d'enjeux énormes, tant en matière de protection pour certains que d'urbanisation pour d'autres. Alors aujourd'hui, il y a un PLQ qui est énorme, qui prévoyait d'ailleurs toute une série de mesures paysagères qui ont déjà été traitées par la précédente législature. Et puis, on doit, à mon avis, aller plus loin, parce qu'un message juste pour des voiries de deux bouts de chemin, par rapport justement à l'ampleur de ce projet et aux enjeux qui y sont liés, j'ai un problème de cohérence. Et je vous explique aussi pourquoi. Alors, Madame Meyer, elle y est pour rien, parce qu'elle n'était pas là avant. Je tiens quand même à le préciser, parce que voilà. C'est qu'on a déjà eu, lié au PLQ,
un message d'accompagnement pour des mesures paysagères qui traitent des voiries, des aménagements et d'un tas de choses. Je vous rappelle aussi, enfin, tout le monde devrait le savoir, c'est qu'il y a quelque temps, on a voté un crédit de 7 400 000 pour la promenade des Crêtes, qui sera un autre lieu, dite Nicolas Bouvier, qui sera un autre lieu emblématique de la promenade du quartier de Surville. Et ça veut dire qu'il doit y avoir une vision globale sur tout ce secteur. Et donc, et en plus, dernier point, pardon, on parle de mesures à suivre dans ce message, alors qu'on a déjà un magnifique guide d'aménagement pour les espaces publics, où à ma lecture, il y a quasiment tout dedans. Alors, moi, ma proposition, et pour le moment, mon refus d'entrer en matière, c'est que si on veut faire habiter dans un grand parc, il faut qu'on ait une vision globale et qu'on puisse, au minimum, traiter de ce point, pas par petit secteur, mais de manière globale. Et puis, dans un deuxième temps, on verra le sort qui est réservé à mon refus en l'état, je proposerai évidemment un renvoi à une autre commission, pour les raisons que je viens d'expliquer. Merci, monsieur Haas. La parole a-t-elle encore demandée ? Oui, monsieur Bonnefanti. Je vous remercie, monsieur le président. Je crois qu'il y a une incompréhension en fait, par rapport à l'étude qui est proposée. L'étude ne se concentre uniquement que sur les voiries, c'est-à-dire l'accessibilité au quartier et sur les deux autres types de chemins, qui sont le chemin Guémont et le chemin de Surville. Concernant les aménagements extérieurs, la très grande majorité des aménagements extérieurs sera réalisée en fait, par les promoteurs. Et pas par la commune. Les autres types d'aménagements qu'on réalisera par la suite, c'est les éco-points et d'autres types d'aménagements, mais qui seront beaucoup moins importants et moins imposants que vous ne semblez le penser, monsieur le conseiller municipal. Donc non, on se concentre uniquement sur l'accessibilité et sur vraiment la voirie du futur quartier qui va se densifier. Et comme cela a toujours été le cas, c'est bien les promoteurs qui aménagent et qui nous restituent en fait ces aménagements, soit aux futures régies, soit au domaine public, quand il y a une session au domaine public. Concernant la coordination, cette coordination est en bonne voie dans la mesure où nous avons engagé une entreprise et qui est payée conjointement par la ville de Nancy, puis par l'État, permettant ensuite de faire les coutures, ce qu'on appelle les coutures entre les différents en fait, promotions qui vont se réaliser, évidemment, pas en même temps, mais au fur et à mesure de l'état d'avancement du PLQ, ce qui permettra justement d'avoir une couture intéressante, il peut y avoir des blocs qui se constituent et puis pas de cohérence entre les différents immeubles. Donc on aura bien une cohérence entre les aménagements extérieurs à Surville. Ça, je peux vous le promettre, parce que c'est un des éléments sur lesquels on travaille depuis plusieurs mois maintenant, entre l'État et la ville de Nancy. C'est pour ça donc qu'on a engagé une personne qui va s'atteler à ça. Merci, monsieur Bonnefanti. Nous sommes toujours sur l'entrée en matière. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer ? Si tel n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Celles et ceux qui acceptent cette entrée en matière, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Nous comptons. Vingt-trois oui, celles et ceux qui refusent. Merci, celles et ceux qui s'abstiennent. Le compte est bon, nous avons donc 23 oui, 11 non. Non, 12 non. 12 non, pardon, c'est juste, merci. Nous rentrons en matière sur le sujet. La proposition était de renvoyer à la commission des travaux. Y a-t-il d'autres propositions ? Monsieur Haas, vous avez la parole. Alors, monsieur Bonnefanti, non, mais je vais être constructif, hein, je vous rassure. C'est justement, parce que vous m'avez pratiqué comme président de l'aménagement, donc vous savez ce que je veux faire, c'est que très clairement, par rapport à un objet de ce type, et puisque la qualité paysagère de l'environnement et de ce quartier qui sera vraiment un quartier emblématique, alors j'ai
compris que vous vouliez traiter que ces voiries, mais si on veut avoir une vraie vision globale de qualité et durable, moi, je renverrai cet objet. Je vous l'ai suggéré au bureau, mais je me suis plié à la volonté globale. Je proposerai un renvoi en commission de l'environnement et du développement durable, même si c'est des travaux qui ont l'air ponctuels, mais c'est pour avoir une vision globale de qualité de l'aménagement de ce site. Mais c'est ma proposition, modeste. Merci, monsieur Haas. Monsieur Bonnefanti, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, monsieur le président. C'est le service des travaux qui pilote, en fait, ces travaux-là. Donc, ce n'est pas le service de l'environnement. Ce que je vous suggère peut-être, ce qu'on peut faire, c'est que vous renvoyez au service des travaux qui va s'atteler à vous présenter le travail et les différents travaux qui vont se réaliser dans ce PLQ-là. Et on peut très bien avoir un point à l'ordre du jour de la commission du développement durable, et, du développement durable qui présentera, si vous voulez, les aménagements extérieurs. Parce que semble-t-il que vous avez oublié ce point-là. Donc, on veut bien revenir là-dessus et vous présenter l'ensemble des aménagements extérieurs. Je vous remercie, monsieur Haas, vous maintenez votre proposition. Et comme j'aurai un suivi, c'est un problème de. Je ne veux pas pinailler ce soir, mais je sais bien que c'est aux travaux. Sauf que de permettre aux gens de la commission de l'environnement durable et de l'environnement de se pencher sur quelque chose de plus global. Pour moi, c'était une opportunité. Maintenant, mais alors associons-les, ça me va très bien. Merci. Votons. Merci, monsieur Haas. Nous allons donc passer au vote. Celles et ceux qui veulent le on va le faire en deux parties. Ceux qui veulent renvoyer seulement aux travaux contre ceux qui veulent renvoyer selon la proposition de monsieur Haas à une commission conjointe. C'est bien ça le sens de votre proposition? La proposition de M. Bonfanti, c'était pas de faire une commission conjointe, c'était de faire une autre commission qui aborderait, pour répondre aux souhaits de M. Haas, une autre séance de la commission de l'environnement et du développement durable, mais pas de faire une conjointe avec la commission des travaux. J'ai pour ma part cru comprendre que, en tout cas, l'ancienne composition du Conseil appréciait peu les commissions conjointes. Et je peux que redire, tant que j'ai la parole, M. le Président, si vous permettez, que... Certes, c'est pour ça que nous avons parlé à deux voix sur ce sujet. L'aménagement de l'entier de ce nouveau quartier, bien sûr, c'est un PLQ, bien sûr, on était sur des composantes d'aménagement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans ce développement, c'est effectivement l'image globale et c'est ce que j'ai mis en avant. Pas très heureux, mais ce qui est vrai, et on est vraiment sur des questions des travaux, c'est oui, on va s'occuper des voiries, on va mettre en place une zone de rencontre à 20 km/h, on va s'occuper des questions de stationnement, vélo et de roues motorisées, on va s'occuper des cheminements des personnes à mobilité réduite, et puis ça, c'est pas des questions d'environnement, c'est pas des questions d'aménagement, c'est plus des questions d'aménagement, c'est vraiment des questions de travaux. Merci, madame la conseillère administrative, monsieur Haas. Parlez juste dans le micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Cet éclairage me convient. Je préciserai juste que j'ai bien compris votre position à tous les deux. Mais je ne voudrais pas que ce soit réducteur. Merci, parce que même si on a compris, je crois, votre proposition. On va passer au vote, si on vous vote. Permettez. On merci. Vote. Et oublions donc, pas le guide. Ceux qui sont d'accord pour renvoyer ce sujet en seule commission des travaux, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Celles et ceux qui refusent. Celles et ceux qui s'abstiennent. Il nous manque une voix. Donc par 25 oui, 5 refus et 5 abstentions, ce sujet est renvoyé en commission des travaux. Je vous remercie.
Point 6B, bâtiment avenue des communes réunies, 86B, hospice général, centre d'action sociale, crédit complémentaire de 280 000 francs. Madame Moyard, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, changeons un peu de sujet. Donc, ce bâtiment au 86B qui abrite donc le centre d'action sociale du Grand Lancy, sur lequel nous avons dû faire un certain nombre de travaux, sur lequel vous avez déjà voté un crédit d'investissement en 2017 pour un montant de 370 000 francs. Et je vous présente ici une demande pour un crédit d'investissement complémentaire de 280 000 francs supplémentaires. La raison en est simple et complexe à la fois. Il y avait à côté du centre d'action sociale trois locataires commerciaux et deux ont souhaité partir, mais pas le troisième. Et pas de chance, il est en plus situé au milieu parce que c'est des tranches, donc ça a été particulièrement pas pratique. Nous avons dû décaler le planning et évidemment, nous avons dû faire en deux étapes, ce qui renchérit nettement le coût. D'une part, et d'autre part, étant donné qu'il est resté avec toute une procédure devant le tribunal des baux, il a fallu ajouter en bloc sanitaire une kitchenette, la ventilation, etc. Aujourd'hui, nous avons enfin un accord et il partira sous un autre, dans un autre lieu qui est un projet de la commune également, c'est-à-dire la zone artisanale sous le viaduc des grandes communes. Mais ce montant assez important, je vous le concède, de 280 000 francs s'explique à la fois par cette arcade occupée dont on aurait voulu que le locataire se dessaisisse rapidement, d'une part, d'autre part par des mauvaises surprises qu'on met d'habitude sous les divers et imprévus qui malheureusement se sont réalisées ici pour 46 000 francs. Et nous avons dû faire des travaux complémentaires pour problèmes d'isolation et de chauffage. Sur les locaux vraiment du centre d'action sociale, ce qui est d'ailleurs la plus grande part de la somme demandée. Donc voilà, c'est parfois fort compliqué de mener des travaux, comme dans ce dossier qui dure. Et donc, il vous est demandé ce crédit d'investissement complémentaire de 280 000 francs, qui devra donc être étudié à la fois par la commission des travaux et la commission des finances. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une entrée en matière. Celles et ceux qui veulent s'exprimer sur l'entrée en matière veuillez bien lever la main. Il n'y a personne. Nous allons passer au vote. Celles et ceux qui sont d'accord d'entrer en matière sur le sujet, lève la main maintenant, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des propositions autres que le renvoi en commission des travaux et finances ? Si tel n'est pas le cas, je vous demanderai de voter sur ce renvoi en commission. Ceux qui sont d'accord, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Merci. C'est aussi une unanimité. Ce sujet est renvoyé en travaux et finances. Voirie de Lancy, agrandissement du dépôt, crédit d'études de 580 000 francs. Madame Meyer, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Rassurez-vous, après, je vais me taire. Alors, ça, c'est la deuxième partie concernant la voirie. Il s'agit d'un projet d'agrandissement de la voirie qui est aujourd'hui trop petite. Et à côté du centre actuel, la commune possède des droits de superficie sur deux parcelles qui seraient fort intéressantes et qui permettraient un agrandissement de ce dépôt. L'idée est donc de vous proposer un crédit d'études pour déterminer la faisabilité de ce projet d'agrandissement du montant de 580 000 francs. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la conseillère administrative. C'est une entrée en matière. Y a-t-il une demande de prise de parole ? Nous allons passer donc au vote. Celles et ceux qui approuvent l'entrée en matière, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Merci. Y a-t-il d'autres propositions pour les renvois en commission ? Si tel n'est pas le cas, nous allons renvoyer donc ceci en commission des travaux. Ceux qui approuvent ce renvoi, veuillez bien lever la main. Travaux et finances, pardon, excusez-moi. Travaux et finances, ceux qui sont d'accord, veuillez bien lever la main. C'est une unanimité. Madame Ruira, vous êtes d'accord ? Ok, c'est bien. Unanimité, je vous remercie. C'est renvoyé en travaux et finances. Point F, délibération.
délibération autorisant le conseil administratif à passer les actes authentiques concernant les cessions au domaine public et les constitutions de servitude au profit de la commune. Monsieur Bonnefanti, vous avez la parole. Il revient maintenant en début de législature à chaque fois. Donc cette délibération permettra en fait au conseil administratif de passer des actes authentiques concernant donc des cessions au domaine public ainsi que des servitudes au profit de la commune qui n'engage pas de coûts pour la collectivité, c'est-à-dire que toute autre cession ou servitude qui engagerait des coûts pour la commune devrait de toute façon passer par le conseil municipal. Donc cette solution qui avait déjà été choisie il y a 5 ans en arrière permet un gain de temps et d'efficacité tant pour le conseil municipal que pour l'administration communale. Voilà. Merci Monsieur Bonnefanti. La parole est-elle demandée sur l'entrée en matière ? Si tel n'est pas le cas, nous allons passer au vote. Celles et ceux qui approuvent cette entrée en matière, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Il est demandé, donc, si je comprends bien, par le conseil administratif, un vote sur le siège. Voilà. Monsieur Clémence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons soutenir le vote sur le siège. On souhaiterait simplement que une information systématique soit faite lorsque ce type d'axe est signé, pour qu'on puisse, les voir passer quand même, même si on ne les vote pas formellement. Merci. Merci, Monsieur Clémence. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Monsieur Bonnefanti. Justement, vous voulez une information qui soit donnée en commission d'aménagement ? Cela vous suffit ? Merci, Monsieur Bonnefanti. Celles et ceux qui approuvent cette délibération, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au point G. L'entrée en matière sur une campagne de promotion en faveur de l'économie locale. Crédit budgétaire supplémentaire, 320 000 francs. Monsieur Bonnefanti, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Conseillers municipaux, Messieurs les conseillers municipaux, comme vous le savez, les conséquences liées au Covid-19 sont brutales pour le secteur de l'économie et notamment sur les activités commerciales qui sont au cœur des préoccupations du conseil administratif. Depuis plusieurs semaines, les autorités ont pris plusieurs mesures visant à accompagner et à soulager les entreprises lancéennes. Suspension de loyer pour les locaux commerciaux dont la ville de Lancy est propriétaire, report des bordereaux de la taxe professionnelle, prolongation du délai de retour pour la déclaration et de paiement, suppression de la facturation du forfait annuel pour la gestion des déchets des micro-entreprises et annulation de la facture du deuxième trimestre pour les entreprises aux déchets quantifiables. Telles ont été les mesures prises pour soulager les entreprises au niveau de leurs coûts. Les autorités souhaitent continuer à soutenir l'économie locale dans cette période incertaine en lançant une campagne visant à sensibiliser la population à privilégier les commerces locaux afin d'assurer leur pérennité. Vidéo sur les réseaux sociaux et sur le site internet, campagne d'affichage sur notre territoire et mise à disposition d'une application permettant au commerce une meilleure visibilité sont des actions auprès de notre population qui visent à promouvoir les entreprises lancéennes et qui seront lancées ces prochaines semaines. Les autorités souhaitent aussi intervenir en faveur des petits commerces de proximité, indépendants, en réseau individuel, en société, en non collectif et en société à responsabilité limitée en proposant un bon d'achat. Les entreprises lancéennes répondant strictement aux critères et aux domaines d'activité sélectionnés sont au nombre de 179 répartis au sein de 13 domaines d'activité allant de la boulangerie au restaurant, en passant par les salons de coiffure ou encore les instituts de beauté. Si la décision est prise ce soir par votre conseil d'aller de l'avant, l'action qui consiste à proposer un petit carnet de bons d'achat d'une valeur totale de 20 francs à chaque foyer lancéen, 4 bons de 5 francs, serait lancée début septembre pour une durée de 3 mois. Ces bons pourraient être utilisés dans les petits commerces participant à cette action et aura pour objectif d'inciter nos habitantes et habitants à consommer local, à continuer à fréquenter les commerces fragilisés par la situation ou à découvrir des commerces. Le souhait est bien évidemment que les consommateurs achètent et consomment local pour un montant supérieur à celui du bon, ce qui pourrait avoir un impact pour les commerces. Les autorités souhaitent que cette action, à la fois concrète, symbolique et modeste, puissent être déployés rapidement auprès des ménages et des commerces de proximité pour la rentrée scolaire. Il est donc nécessaire d'entreprendre au plus vite des démarches. Le conseil administratif a conscience que la demande de vote sur le siège ce soir est particulière, mais c'est la situation qu'il est et qui nous contraint à agir de la sorte. Pour cette raison, le conseil administratif vous demande de faire bon accueil à ce projet de délibération visant à autoriser et à engager les autorités à hauteur de 320 000 francs pour soutenir les petits commerces de proximité à Lancy en votant sur le siège.
Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, c'est une entrée en matière. Nous allons d'abord procéder au vote sur l'entrée en matière. Y a-t-il des personnes qui voudraient s'exprimer sur l'entrée en matière? Monsieur Couteau, vous avez la parole. Oui, monsieur le président. Le groupe MCG va soutenir le vote sur le siège, car nous entendons que c'est une mesure assez importante, vu que ça va stimuler un peu l'économie locale et aider un peu les commerçants de notre commune. Merci. Merci, monsieur Couteau. Je vous rappelle qu'on discute pour l'instant de l'entrée en matière et non du renvoi en commission ou d'un vote sur le siège. Madame Fernandez, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors, c'est peut-être aussi pas le bon moment, mais le groupe des Verts soutient également cette proposition de vote sur le siège et l'initiative du conseil administratif qu'il juge urgent, étant donné la situation post-Covid et qui serait dommage de retarder. Voilà. Merci, madame Fernandez. D'autres personnes veulent-ils prendre la parole sur l'entrée en matière? Je le précise encore une fois. Si tel n'est pas le cas, nous allons voter cette entrée en matière. Celles et ceux qui l'acceptent, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité moins une personne, celles et ceux qui refusent, qui s'abstiennent. Deux, unanimité moins deux personnes. Merci beaucoup. Nous passons donc à la discussion maintenant, savoir s'il y a des propositions de renvoi en commission ou de vote sur le siège. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. La crise sanitaire que nous venons de vivre a fortement impacté notre économie. Grâce à des décisions pragmatiques et rapides, un appui important a pu être apporté par la Confédération et les cantons au tissu économique, sous la forme notamment de crédits de transition de la Confédération, d'avances de liquidités ou de chômage partiel et racheté. Ceci afin de pallier à l'urgence de la situation. Nous devons désormais nous concentrer sur l'avenir en apportant des solutions permettant à nos entreprises de survivre à cette situation particulière dans la durée. Ce soir, le Conseil administratif nous présente un projet de délibération louable mais qui ne semble être qu'un emplâtre sur une jambe de bois et qui donc pour le groupe PLR manque sa cible. Ce n'est pas en menant une grande campagne de promotion du commerce de proximité et en offrant 4 malheureux bons de 5 francs aux habitants que l'on va sauver nos commerces de proximité. Ce n'est d'ailleurs pas non plus en mettant en place une politique chaotique de la mobilité que nous les aiderons, mais nous aurons l'occasion d'en reparler au point 7 de notre ordre du jour. Ce que demandent les commerçants avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ce sont des actions comme celles menées par le précédent conseil administratif délégué, à savoir des mesures d'exemption des loyers commerciaux ou de suppression de la facturation de tout ou partie des frais de gestion des déchets. Ce sont des mesures réduisant fortement leurs charges qu'ils souhaitent, alors même que leurs revenus ont été fortement impactés par la crise que nous avons vécue, ceci afin de leur donner une véritable bouffée d'air frais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence. Les entreprises sont encore soutenues par les dispositifs mis en place durant le Covid-19. En revanche, c'est demain et après-demain que les difficultés vont s'amonceler au-dessus de leur tête. Et c'est à ce moment-là que notre commune devra pouvoir répondre présent avec des propositions qui profiteront à toutes et tous. Or, le projet proposé ce soir n'apportera aucune véritable aide à ceux qui en ont véritablement besoin. C'est pourquoi nous demandons le renvoi de ce projet de délibération à la Commission des affaires économiques afin d'étudier tous les moyens possibles pour la mise en place d'un véritable plan de soutien à notre économie locale. Merci, monsieur Eschbacher. Monsieur Clémence. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues. Le PS va bien évidemment soutenir ce projet et proposera effectivement le vote sur le siège et le soutiendra également. L'aide aux commerces locaux est une priorité pour le Parti socialiste et en particulier avec cette mesure qui permet en même temps d'aider les familles et les foyers lycéens à pouvoir, on l'a vu avec la question de l'alimentaire, à pouvoir subvenir à leurs besoins de manière urgente. C'est aussi la raison pour laquelle nous demanderons l'urgence sur le vote de ce soir qui permettrait de démarrer, comme c'est prévu, le projet au 1er septembre, la distribution de ces bons, et puis d'éviter un délai référendaire qui repousserait d'autant l'entrée en vigueur de cette mesure. L'aide aux foyers, elle est importante, mais c'est aussi l'idée de créer une impulsion sur la durée. Alors là, je rejoins M. Eschbacher, il faudra que la mesure de soutien puisse s'étendre sur la durée pour nos entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises locales.
mais aussi créer l'impulsion d'aller vers durablement une consommation auprès de ces commerces, et les bons peuvent aider en cela sur la durée. Par contre, j'ai un peu plus de peine à comprendre à quel point, alors déjà la politique de la mobilité a un intérêt dans ce débat, et puis d'autre part, à quel point l'exemption des loyers pourrait être une mesure qui permettrait sur la durée de résoudre cette problématique. Ou alors j'ai mal compris ce qu'a proposé M. Eschbacher, et puis on propose d'exonérer à vie les loyers commerciaux. Enfin, il faudra quand même m'expliquer à quel point cette mesure est durable. Je vous remercie. Merci M. Clémence. Madame Devecchi, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC Verts Libéraux salue les nombreuses actions mises en place par la commune pour le soutien des entreprises locales. Nous soutenons bien évidemment ce mouvement qui vise à renforcer l'économie locale, surtout dans cette période de crise. Néanmoins, ce projet pose un certain nombre de questions. L'initiative telle que présentée toucherait 200 entreprises environ, même un peu moins, alors qu'il en existe plus de 1800 à Lancy. Qu'en est-il de l'équité de traitement en tenant compte, par exemple, que certaines entreprises ont bénéficié de loyers gratuits pendant la période de confinement ? Comment être sûr que ces commerces ont bien pignon sur rue et sont effectivement actifs sur Lancy ? Comment gérer l'utilisation de ces bons et s'assurer qu'ils soient réellement utilisés à bon escient ? C'est pourquoi il nous semble essentiel de ne pas agir dans l'urgence. À notre avis, il n'y a pas d'urgence, péril en la demeure, mais de prendre vraiment le temps de débattre d'une manière plus large, comme l'a dit tout à l'heure M. Eschbacher, pour proposer un soutien qui soit réellement cohérent avec les besoins de nos entreprises. Nous proposons donc également de renvoyer ce projet à la Commission des affaires économiques. Merci Mme Devecchi. La parole est-elle encore demandée ? Si tel n'est pas le cas, nous allons voter M. Bonnefanti. Monsieur le Président, l'urgence, elle est là, l'urgence. Hein. Si on attend 2 mois ou 3 mois, on va avoir les premières entreprises qui vont faire faillite. On a reçu cette semaine une lettre du Conseil d'État de Pierre Baudet qui souhaite que les communes maintenant s'activent sur la promotion économique et sur le fait d'aider les petits commerces et aussi sur les entreprises en général. Donc il ne faut pas se leurrer. Hein. Si vous attendez 2-3 mois puis vous renvoyez ça en commission, pour vous donner bonne conscience, et puis quand j'entends les propos qui consistent à dire qu'on aurait une inéquité de traitement, ben je vous rappelle que l'inéquité de traitement, elle existe déjà. Hein. On a certains commerces qui n'ont pas payé de loyer pendant plusieurs mois et qui sont dans nos bâtiments, alors que les autres, ils ont continué à payer leur loyer. Donc l'inéquité de traitement, là, elle ne vous a pas posé de problème, vous l'avez même salué. Par contre, là, ça vous pose un problème parce qu'il y a des entreprises qui pourraient toucher un bon et d'autres pas. Comme on l'a dit au départ, on veut aider les commerces de proximité qui sont localisés sur Lancy et qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont des activités directement avec la population. Je pense qu'on peut dire, on peut difficilement être plus clair que ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Souhaitez-vous, à un moment donné, pouvoir aider, je dis bien aider, on va pas tous pouvoir les sauver, je vous le dis tout de suite. Le but, c'est de pouvoir les aider un petit peu par rapport à la crise qu'ils sont en train de vivre maintenant. J'entends que certains ont discuté avec des commerces. J'ai aussi discuté avec des commerces qui saluent le fait qu'on ait pu baisser les coûts à certains endroits. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. S'ils n'ont pas de revenus, ils vont disparaître. Donc eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les commerces, que les consommateurs puissent retourner dans ces commerces-là et peut-être que d'autres consommateurs qui ne connaissent pas ces entreprises-là puissent y aller aussi et payer des produits. Donc oui, l'urgence, elle existe. Et de renvoyer ça en commission, ça n'a aucun intérêt. Je vous remercie. Merci, M. Bonnefanti. Il y a donc 2 propositions, celle de la discussion immédiate et celle du renvoi en commission des affaires économiques. Nous allons voter. Celles et ceux qui sont pour la discussion immédiate, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. pour la discussion immédiate. Donc ce sera directement la discussion immédiate. Je vous remercie. J'ouvre cette discussion, celles et ceux qui veulent prendre la parole. Donc, tout d'abord, il y avait peut-être la clause d'urgence qu'il faudrait voter tout de suite, proposée par M. Clémence. Vous la soutenez toujours ? Très bien. Donc la clause d'urgence doit être votée par 2/3 des personnes qui votent. Les abstentions ne sont pas comptées dans le tiers ou dans les 2/3. Celles et ceux qui soutiennent la clause d'urgence, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît.
21 personnes pour qui sont pour. Celles et ceux qui sont contre, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Celles et ceux qui s'abstiennent. Une abstention. Donc, la clause d'urgence est... Ça fait 33, la clause d'urgence serait refusée. Il faudrait, la majorité serait à 22 voix pour avoir les deux tiers, vu que les abstentions ne comptent pas. Nous avons 21 voix contre 12, ce qui fait 33. Malheureusement, la clause d'urgence est refusée. Donc nous allons quand même passer sur la discussion immédiate. Nous devons quand même parler du sujet. Maintenant, celles et ceux qui veulent discuter là-dessus, avant éventuellement de voter cette proposition, cette entrée en matière, enfin non, c'est plus une entrée en matière, cette délibération, veuillez bien s'exprimer maintenant. Monsieur Clémence, vous avez la parole. Ah pardon, monsieur Haas. J'aimerais quand même juste préciser un truc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais de vous à moi, la distribution des bons, il y en a qui vont être perdus dans les pertes et profits parce que les gens ne les utiliseront pas. Ils iront, excusez-moi de le dire, mais ils ont déjà pris le chemin de la France ou d'ailleurs pour aller faire leurs courses. Il faut être très clair. Il suffit de voir les médias ces temps. Moi, je connais deux commerces de proximité qui sont des amis. Le jour où la frontière a été ouverte, ils ont perdu leurs clients. Donc, bon ou pas bon, voilà. Et puis moi, à titre personnel, ça fait depuis le 15 mars que je vais faire mes courses dans tous les commerces lancéens sans avoir besoin d'y être incité. Merci, monsieur Haas. Monsieur Clémence, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, je remercie monsieur Haas d'être exemplaire et j'espère que nous le serons toutes et tous aussi, avec ou sans bon. En l'occurrence, ça ne nous empêche pas du tout de poursuivre les réflexions en commission sur des mesures qui seraient complémentaires, plus durables, plus. On peut tout à fait reprendre ce sujet et le compléter. Les deux ne sont pas incompatibles, à mon sens. Par contre, pour le vote de ce soir, je demanderai le vote nominal, s'il vous plaît. Merci, monsieur Clémence. Y a-t-il d'autres propositions ? Nous allons donc voter sur le vote nominal. Non, il faut qu'il soit soutenu par 5 membres. Est-ce qu'il y a 5 membres qui soutiennent M. Clémence ? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous voterons à l'appel nominal délibération, merci, j'ai un peu de peine. Voilà, très bien. Donc, très bien, par ordre alphabétique, Madame Adam. Nous votons donc sur cette délibération, c'est oui ou non ou abstention. Oui, merci Madame Adam. Monsieur Eschbacher. Monsieur Antiche. Madame Barnia, pardon. Barnia. Monsieur Barry. Madame Benker. Madame Beune. Madame Bonvin Bonfanti. Monsieur Bonvin. Monsieur, non, il est excusé, Madame Captine, Madame Carter, Monsieur Clémence, Monsieur Coléoni, Monsieur Couteau, Monsieur Daher, Madame Devecchi, Madame Dia.
Madame Ecquet. Madame Fernandez. Monsieur Fischer. Non. Monsieur Gollet. Oui. Monsieur Haas. Oui. Monsieur Jotran. Oui. Monsieur Le Goff. Oui. Monsieur Martella. Oui. Monsieur Maillère. Oui. Madame Monod. Oui. Madame Mullet. Monsieur Petit, oui. Madame Rosales Desus, oui. Madame Rosset, oui. Madame Ruira, oui. Madame Van de Put, oui. Monsieur Verguin, non. Monsieur Veugel, oui. Merci, juste 2 minutes le temps de faire les comptes. La délibération est acceptée par 25 oui, 7 non et 3 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer au point. Monsieur Bonnefanti. Je vous remercie. Le conseil administratif donc, souhaite remercier vivement les membres du conseil économique communal, à savoir Dominique Grebetti, Jean-Claude Mangart, John Tressy, Marco Folmi et David Hiller, ainsi que Myriam Boussina et Stéphane Lorenzini pour avoir participé aux discussions concernant l'élaboration du bon d'achat et pour leurs conseils éclairés à un moment donné de la procédure. Merci. Merci, Monsieur Bonnefanti. Le point 6 est terminé. Nous allons passer au nouveau point 7, projet de résolution. Un projet de résolution pour un coup d'accélérateur post-Covid-19 dans la mobilité douce à Lancy aussi a été déposé sur votre place. Est-ce qu'une des personnes ayant déposé ce projet veut prendre la parole pour nous le présenter ? Monsieur Maillère, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà la discussion sur la mobilité chaotique. Mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, la résolution que nous présentons ce soir a un lien avec la crise sanitaire du coronavirus. En effet, ainsi que vous l'avez constaté et ainsi qu'il a été évoqué ce soir, avec le début du déconfinement, nous assistons désormais à une reprise de la circulation routière à un niveau très important. Les bouchons sont de retour en ville. Si je peux me permettre de le dire ainsi, les bouchons ont encore un grand potentiel puisque une partie de la population est encore en télétravail. Ainsi, lorsque tout le monde va reprendre le chemin du travail en présentiel, on risque d'avoir une paralysie beaucoup plus impressionnante. Pourquoi est-ce qu'on a déjà un niveau de circulation aussi important ? Eh bien, c'est lié au fait que la fréquentation des transports publics est en nette baisse. C'est lié au fait que les gens ont peur de la contagion par le virus. Un risque de paralysie encore plus grand que la situation qui prévalait avant la crise se présente à nous. Les conséquences négatives d'une telle situation seraient évidemment en premier lieu une diminution de la qualité de vie, une perte pour l'environnement, mais également une perte pour l'économie. Puisque, vous le savez bien, certaines personnes sont obligées de prendre leur véhicule motorisé pour travailler. On peut penser évidemment au domaine de la livraison, mais on pense également à certains travailleurs, certains indépendants qui ont besoin absolument de leur véhicule, de leur voiture ou de leur fourgonnette pour pouvoir aller travailler. Et ces personnes-là sont péjorées par le fait que de nombreuses personnes qui pourraient faire autrement prennent également leur voiture au même moment. L'alternative pour les vertes et les verts serait d'inciter à la mobilité douce. Si plus de personnes recouraient à la marche, quand c'est possible, ou au vélo, les rues seraient libres pour les personnes qui le nécessitent vraiment. Le problème, quand on discute avec les personnes qui pourraient prendre le vélo, c'est que la circulation en ville en vélo fait extrêmement peur. En effet, certaines voies n'ont pas de pistes cyclables, d'autres ont des pistes cyclables qui ne sont absolument pas respectées par les autres usagers de la route.
Et parfois, certaines, on a des belles pistes cyclables qui, pouf, arrivent au milieu du carrefour et il n'y a plus de pistes cyclables. Donc, la continuité des pistes cyclables est également un problème. Le Conseil d'État et la ville de Genève ont pris récemment des mesures très courageuses qui sont justement de créer de nouvelles pistes cyclables, voire d'agrandir la taille des pistes cyclables là où c'est nécessaire, et également de développer certaines zones 20 dans certains quartiers pour développer la mobilité douce. Notre résolution vise à inviter le Conseil d'État, partout où il en a la compétence sur la ville de Lancy, à reprendre ces mesures et puis à pouvoir justement développer cette mobilité douce. En développant d'ailleurs la mobilité douce, on arrive à d'autres bienfaits. Sans être exhaustif, je voulais en citer quelques-unes. Premièrement, la mobilité douce est peu coûteuse en énergie et en matériel. La mobilité douce est également extrêmement économe de l'espace public. Ensuite, la mobilité douce favorise les rencontres et donc en ça est vecteur de liens sociaux. Pour l'environnement, évidemment, la mobilité douce est positive puisqu'il y a peu de dégagement de gaz à effet de serre. Je tiens juste à rappeler que selon l'Office fédéral de l'environnement, en Suisse, chaque année, plus de 3000 personnes décèdent à cause de la pollution de l'air. Et enfin, la mobilité douce est bonne pour la santé. Santé physique d'abord, puisque évidemment, faire un peu de sport est bon pour la santé, mais également, et c'est la cerise sur le gâteau, la santé psychique est favorisée par la mobilité douce, puisque la science a prouvé que faire du vélo permet de générer certaines hormones, de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine, qui rendent heureux. Ainsi, on peut conclure en disant que le vélo, oui, rend heureux. Au vu de ces arguments, je vous invite, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, à adopter cette résolution. Je vous remercie. Merci, Maillère. Je vous remercie. Monsieur Gollet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, on a pu prendre connaissance de cette résolution pour certains sur la table, sur notre pupitre ce soir. Alors, je l'ai lu attentivement. Tout d'abord, il faut savoir que le groupe MCG a toujours été favorable au développement de la mobilité douce. On s'est rarement opposé à des pistes cyclables ou à des chemins piétonniers ou autres. Monsieur Bonfanti, vous souriez, mais c'est la réalité. Hein. Alors, ça peut vous surprendre, mais vous n'êtes pas les seuls à défendre justement la mobilité douce, vous et votre groupe politique. Alors, c'est clair que même avec les années d'expérience que j'ai eues au sein de ce conseil municipal depuis 1986, hein, j'ai eu des coupures, mais depuis cette date, j'ai rarement vu aussi les autres groupes qui s'opposaient à cette mobilité douce. Je crois que pratiquement, dans bien des cas, tout a été accepté pour renforcer la sécurité des piétons, des cyclistes, autres usagers de la route. Là, à la lecture de cette résolution, j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger, que c'est un peu un fourre-tout, un peu comme un bazar où on y vend tout et on y achète tout. Mais je pense qu'on peut vivre avec. Il y a simplement quelques points, quelques remarques que je tiens à faire. Déjà, je trouve un peu infâme d'utiliser le drame du Covid pour faire passer des thèmes politiques pour certains groupes. Je pense que il y a d'autres sujets où on peut faire part pour améliorer la mobilité douce que de profiter de cet instant un petit peu malheureux. D'autre part, ce qui dérange le plus dans cette résolution, c'est le point 1 des invites. Prendre comme exemple la ville de Genève et de vouloir l'imiter, je crois qu'il y a autre chose comme exemple que la ville de Genève. Hein. Je pense par là qu'on n'a qu'à voir tous ces boucliers qui se sont levés par rapport à ces mesures, l'agacement, ça a mis en conflit, heurté en tout cas bien des citoyens qui maintenant prônent l'automobile, l'autre défendent les pistes cyclables. C'est vrai que ça a créé un climat délétère par rapport à cette vitesse comme a agi la ville et le canton pour modifier les voies de circulation.
Moi, je reste persuadé que si on changerait cette formulation du point 1, du style à mettre en œuvre de nouvelles mesures afin de renforcer la mobilité douce sur le territoire de la ville de Lancy, serait très bien. Et là, je pense que tout le reste des mesures qui sont proposées, sans parler d'urgence, parce que l'urgence est une très mauvaise conseillère, la précipitation est une mauvaise conseillère, je pense que ça doit être réfléchi. On ne doit pas agir comme l'a fait le canton et la ville de Genève. C'est ce qui a créé une opposition ferme d'une bonne partie de la population et qui a relancé s'il y avait la guerre des transports. Donc, je vous suggère de modifier déjà le point 1 des invites pour qu'on puisse peut-être rentrer en matière et puis discuter de cette résolution calmement en commission et puis d'avancer pour trouver les bonnes solutions pour que tout le monde puisse être satisfait de son mode de transport et les conditions qui va avec en matière de sécurité. Merci, Monsieur Gaulet. J'ai retenu ce que vous avez dit, mais ce sera dans le sens inverse. Si on fait des propositions, c'est dans la discussion immédiate. D'abord, on va voter l'entrée en matière. Ensuite, on verra si on veut... Vous êtes pressé, vous avez tout mis dans l'autre sens. Voilà, ce sera ensuite la discussion immédiate et éventuellement le renvoi à la commission. Si c'est une discussion immédiate, on pourra l'amender. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, vu ce que vous venez de dire, mais je vais quand même le dire. Ce soir, nous sommes saisis d'une résolution demandant la mise en place sur notre commune sans attente de mesures urgentes semblables à celles existantes désormais en ville de Genève, telles que des zones 20 km/h, l'élargissement des voies cyclables existantes, l'installation de feux clignotants, encore la transformation des espaces de stationnement mixtes en les réservant strictement pour les vélos. Selon l'exposé des motifs, ces aménagements sont profondément démocratiques puisqu'ils répondent aux aspirations réitérées régulièrement dans les urnes. Permettez-moi de me porter en faux contre cette allégation. Si le peuple genevois s'est effectivement prononcé à réitérées reprises sur la problématique de la mobilité, cela l'a toujours été jusqu'à ce jour du moins, dans le sens d'une garantie de la liberté individuelle du choix du mode de transport, article 190 alinéa 3 de notre Constitution, ou sous la forme d'une loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, fruit d'une négociation de plus de 20 ans, et dont le titre résume à lui seul, encore une fois, la véritable volonté des électeurs, soit de conserver une cohérence et un équilibre entre les différentes mobilités. En fait, tout le contraire de ce qui se fait actuellement en ville. Enfin, il me semble important de rappeler au passage qu'en même temps que le peuple acceptait d'inscrire la mobilité cohérente et équilibrée, il demandait également l'inscription dans la Constitution à son article 92A de la traversée du lac afin de permettre l'achèvement du contournement de Genève. Il est donc fallacieux de présenter ces aménagements comme répondant aux aspirations réitérées régulièrement dans les urnes. Cohérence et équilibre. Le maître mot de la politique voulue par le peuple. En fait, tout le contraire de ce que démontre actuellement le canton avec ses décisions prises à l'emporte-pièce, démontrant par là même un véritable déni de démocratie. J'entends déjà certains bancs nous traiter de pro-voiture à tout va. Je me permettrai donc de rappeler à ce nouveau conseil que nous avons voté, et dans le nous, il y avait aussi les élus PLR, le 15 novembre 2018, une motion pour le développement et la sécurisation des itinéraires cyclables à Lancy. Cette motion demandait au conseil administratif de présenter au conseil municipal dans les 3 mois un projet de délibération pour un crédit d'étude permettant d'identifier les itinéraires nécessitant des compléments et aménagements pour les vélos, proposant de nouveaux itinéraires et énonçant pour chacun des solutions concrètes de réalisation de continuité cyclable sécurisée sur l'ensemble des itinéraires cyclables actuels et potentiels. D'intégrer dans l'étude également l'aménagement de nouvelles places de stationnement vélo, si possible couvertes et sécurisées, en particulier à proximité immédiate des arrêts des transports publics, des commerces et des équipements publics, et de présenter au conseil municipal un crédit d'investissement correspondant dans un délai d'un an au regard de l'inauguration du Léman Express et ses stations vélo sur l'Ancy. Dans sa réponse du 31 octobre 2019, le conseil administratif expliquait qu'un appel d'offres avait été lancé et que le planning privé était le suivant. État des lieux jusqu'en octobre 2019. Diagnostic en novembre 2019, proposition en janvier 2020, présentation printemps 2020. Je pars donc du principe que ce calendrier a été tenu et que le conseil administratif délégué possède donc un dossier complet sur ce sujet. Il est donc parfaitement envisageable de renvoyer cette résolution en commission afin de la traiter en même temps que cette fameuse présentation lors de la prochaine commission de l'aménagement du territoire. Nous pourrions alors prendre des décisions cohérentes et équilibrées en ce qui concerne la mobilité sur notre commune. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est important d'agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, afin d'éviter les erreurs commises en ville de Genève et la gabegie qu'elles provoquent.
Merci, monsieur Eschbacher. Pour rappel, on est toujours sur l'entrée en matière. Ce genre de discours est peut-être plutôt à la suite de l'entrée en matière. Madame Van de Putte, vous avez la parole. Si la parole n'est plus demandée, nous allons voter cette entrée en matière. Celles et ceux qui approuvent l'entrée en matière sur la résolution proposée, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Non, mais haut et qu'on puisse compter bien. Merci. Celles et ceux qui s'abstiennent. Et donc, il ne devrait pas y avoir de refus. Sinon, les comptes sont faux. Par 30, oui, nous rentrons en matière sur cette résolution. Et puis, maintenant, nous allons discuter sur la discussion immédiate ou sur le renvoi en commission. Madame Van de Putte, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais rejoindre un petit peu les conclusions de M. Gollet, c'est-à-dire qu'effectivement, la mobilité douce doit, et je pense sera, développée partout sur la commune et sur le canton. Pour moi, c'est une certitude. La besoin de cohabitation entre les différents modes de transport est indispensable. La place qui doit être donnée aux cyclistes et aux piétons, qu'ils soient promeneurs ou passants, doit être donnée. Pour le moment, effectivement, c'est un sérieux problème de circuler dans la commune, voire même dans le canton. C'est clair qu'il y a cette marche en avant. Et pour faire cette marche en avant, pour la continuer, c'est nécessaire de réfléchir et d'analyser les possibilités réalistes et praticables. Pour moi, il s'agit de prendre donc le temps nécessaire pour implanter des aménagements que les citoyens pourront donc s'approprier pleinement. Il s'agit aussi d'anticiper des effets donc, de chaque installation pour éviter des répercussions indésirables, éventuellement de déplacer des problèmes, voire de créer des situations absurdes. Pour ça, il ne faut pas jeter de la peinture au sol, supprimer des caisses de stationnement ou installer des potelets, et puis espérer que des cyclistes ou des piétons empruntent ces voies. Les dispositifs d'urgence et temporaires apportent de la confusion pour les usagers des voies de circulation. En ville de Genève, le succès n'a pas forcément été au rendez-vous, que ce soit pour les piétons ou les cyclistes. Les services n'ont pas pu faire leur travail aussi bien qu'ils l'auraient voulu. Pourtant, l'aménagement d'une chaussée, d'une route, d'un trottoir, d'une piste demande donc de la concertation, de l'analyse, de l'anticipation et bien entendu de la planification. Pour moi, il serait précieux de faire le point sur ce qui a fonctionné ou non avant de nous-mêmes entreprendre des travaux sur la commune de la ville de Lancy. Donc les exemples de la ville de Genève, ce qui n'a pas marché, entre autres, serait intéressant donc à relever. Pour moi, la précipitation ne fera qu'engendrer des erreurs et des coûts qui pourraient être évités. Il ne faut pas oublier que des marquages temporaires, des routes obstruées, etc., ce sont des équipes qui se déplacent pour peindre donc la chaussée, installer des potelets, des panneaux de signalisation, pour ensuite y retourner, gratter la peinture, désinstaller le tout, toute une partie, plusieurs semaines plus tard. Alors qu'au final, en prenant un peu plus de temps, on a des installations qui sont pérennes, fiables, viables, sécurisées et des citoyens heureux de s'approprier leur rue de la manière la plus naturelle possible. Donc pour ça, pour ces motifs, le groupe PDC Verts Libéraux propose donc que cela soit étudié aussi rapidement que possible également en commission de l'aménagement, si ce n'est déjà prévu. Merci beaucoup, Madame Van de Putte. La parole est-elle encore demandée? Monsieur Clémence, nous sommes toujours sur le sujet du renvoi en commission ou de la discussion immédiate. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je reprendrai peut-être la parole sur le fond, puisque j'ai l'impression que le débat a démarré en entrée en matière, mais on en débattra si le choix est fait d'en débattre tout de suite. Concernant le vote sur le siège, je pense quand même qu'il est important de constater que la réponse à la crise, elle est vraiment liée à cet objet. Pour répondre aussi au propos de M. Gollet, l'idée, c'est bien de constater que les gens ont la crainte de prendre les transports publics actuellement
liées à la crise, masque ou pas masque, et du coup prennent la voiture à la place. Et donc c'est bien pour répondre à cette thématique-là et à cette analyse-là, ce constat qui est fait, que nous proposons de prendre des mesures qui permettent rapidement de faire le choix du vélo plutôt que le choix de la voiture à la place des transports publics. Et donc c'est bien pour ça qu'on demande que ce soit voté rapidement et sinon si possible ce soir. Donc je reparlerai du fond tout à l'heure si vous le permettez. Merci Monsieur Clémence. Monsieur Gaulet, j'ai oublié précédemment. Merci. Je pense que le groupe MCG pourrait tout à fait, alors, pour l'entrée en matière, être favorable et puis de renvoyer, bien sûr, l'objet en commission. Simplement, comme je l'ai dit avant, ça dépendra bien naturellement si vous acceptez l'invite. Je pense que ce soit le PDC ou d'autres partis l'ont dit, si on le fait d'une manière irréfléchie, c'est pas sain. Il faut négocier avec les partenaires, que ce soit les commerces ou autres, disons, acteurs de notre commune, pour envisager de créer de nouvelles mesures pour renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité douce. Si on y va à la va-vite et puis on demande demain matin à 15 fonctionnaires de nous peindre la moitié des chaussées de la commune de Lancy, je ne pense pas qu'on va arriver à un résultat qui va être satisfaisant pour l'ensemble de nos concitoyens. Je crois qu'on a tous la volonté d'améliorer la sécurité, que ce soit des piétons, que ce soit des cyclistes ou autres usagers de la route. Et pour répondre à mon collègue Clémence, je pense que si on regarde... On n'a jamais pratiquement aussi bien circulé sur les routes pour ceux qui utilisent leur voiture que c'est depuis qu'il y a le Covid, même à la fin du déconfinement. On ne voit pas beaucoup plus de cyclistes. Je présume que c'est le télétravail qui décharge un petit peu nos voiries d'usagers, que ce soit automobilistes ou cyclistes ou autres. C'est clair qu'il y a plus de piétons. Par contre, on voit que beaucoup profitent de faire de la marche. On n'a qu'à traverser le pont Butin pour se rendre compte qu'effectivement, il y a un nombre assez important de piétons par rapport à de l'avant-Covid. Restons sages, soyons disciplinés, ne faisons pas tout, n'importe quoi ou dans les minutes ou dans les heures ou dans les jours qui suivent pour créer des nouvelles pistes cyclables qui seraient surdimensionnées par rapport aux besoins de la commune. Réfléchissons avant de prendre ces mesures, faisons-le en commission et à ce moment-là, le groupe MCG se ralliera à l'ensemble certainement du conseil municipal et puis il est mieux d'avoir l'unanimité sur un sujet de la sorte que d'avoir des oppositions puis d'ouvrir des débats stériles par le futur, même si ce n'est pas forcément en commission si vous votez le sujet sur le siège. Merci Monsieur Gaulet, Monsieur Maillère. Merci, Monsieur le Président. Donc sur le fond, nous en parlerons plus tard. Sur le vote sur le siège, c'est le cœur même en fait de cette résolution, c'est de traiter de l'urgence. Pour la discussion qui aura lieu en commission, donc on l'a déjà cité, il y a la motion et je pense que notre conseil trouvera facilement des majorités. J'entends tous les partis qui sont favorables à trouver des solutions raisonnables de mobilité douce. Cependant, cette résolution, on peut considérer ça comme infâme d'utiliser l'urgence du Covid. Moi, je pense que c'est un qualificatif qui n'est pas bien approprié en l'état. Je pense plutôt que, justement, c'est le moment d'essayer de trouver des solutions qui sont innovantes et qui vont plus loin. Il y a probablement eu des erreurs qui ont été faites en ville de Genève. En espérant que lorsqu'on pourra mettre en place des mesures sur la ville de Lancy, on fasse moins d'erreurs. Mais effectivement, en agissant plus vite, on risque encore de faire des erreurs, mais c'est également en faisant des erreurs qu'on peut vraiment faire progresser les choses. Donc, pour moi, il y a deux temps. Il y a le temps de la motion qui va avoir des études d'impact, qui va pouvoir être mise en place petit à petit. Et il faut vraiment répondre à l'urgence parce que sinon, les personnes qui actuellement prenaient les transports publics vont continuer à prendre leur voiture et paralyser encore plus notre ville. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur le fait de voter cette résolution sur le siège. Merci, Monsieur Maillère. Monsieur Haas. Juste attendez le micro, s'il vous plaît, pour le PV, c'est mieux. Vieilles habitudes. Je suis ravi d'avoir entendu Monsieur Maillère, parce que comme pratiquant effréné du vélo, je suis content de savoir que ça fait du bien physiquement et psychologiquement. Donc ça, c'est vraiment cool ce soir.
Mais justement, on a déjà dans ce guide auquel je m'accroche, mais on a toute une page dédiée à la mobilité, dans le plan directeur cantonal, que vous allez bientôt voir, toutes les questions liées à la mobilité, à la circulation ont été épluchées en commission. Et pour moi, l'urgence, elle n'est pas liée au Covid, elle est liée au réchauffement climatique. Et si on veut prendre des mesures pérennes, avoir, et c'est mon rêve, je vous l'avoue, un jour dans le classement des villes où on est le mieux à vélo, il y avait ce classement l'autre jour dans les médias, mais il y avait Copenhague, Anvers, Amsterdam. Et si un jour on veut avoir Nancy, ben il faut qu'on le fasse de manière cohérente et étudiée et pas qu'avec des scotchs. Donc cette urgence de l'été et d'avoir des demi-mesures, pour moi, c'est une bonne idée, mais elle ne va pas assez loin par rapport à ce qu'on veut installer plus loin. Merci, monsieur A. Je crois que nous avons fait le tour et que tous les groupes ont pu s'exprimer. Donc, je vais vous proposer de voter soit pour la discussion immédiate, soit pour le renvoi en commission. Je vous prierai, ceux qui sont pour la discussion immédiate, de bien vouloir lever la main. Merci. Pour les discussions immédiates, celles et ceux qui sont pour le renvoi en commission, on veut bien lever la main, je crois qu'on connaît déjà le score. Voilà, nous devrions être à 16. 16, merci. Donc c'est une discussion immédiate. Monsieur Gaulet, si vous voulez proposer un amendement, c'est maintenant. Lisez-le, puis vous nous le remettez. Alors, c'est de modifier. Merci. C'est de modifier le point 1 des invites. Actuellement, c'est à mettre en œuvre sans attendre des mesures urgentes, semblables à celles mises en œuvre en ville de Genève pour améliorer la mobilité douce sur le territoire de la ville de Nancy. Alors, je propose de modifier ce point 1 et de mentionner simplement à mettre en œuvre de nouvelles mesures afin de renforcer la mobilité douce sur le territoire de la ville de Nancy. Merci beaucoup. Un amendement étant été demandé, nous allons discuter de cet amendement. Y a-t-il quelque chose à dire par rapport à cet amendement ? Discussion. Est-ce qu'on peut relire l'amendement proposé par M. Gaulet ? Alors, à mettre en œuvre de nouvelles mesures afin de renforcer la mobilité douce sur le territoire de la ville de Nancy. Je dis bien renforcer, donc c'est vraiment améliorer. Merci beaucoup, Monsieur Clémence. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cet amendement est tout à fait acceptable du point de vue des socialistes et on pourra le soutenir, surtout si ça permet au MCG de soutenir l'ensemble de la résolution. Je rajouterai peut-être en sous-amendement juste le mot « urgent » qui a été supprimé. Je remettrai juste l'urgence et puis du coup le reste de l'amendement nous convient. Monsieur Coléoni, s'il vous plaît. Verts libéraux voudraient aussi amender le point 2. Je vais l'écrire après. Hein. Monsieur Coléoni, je vous remercie, mais pour l'instant, on parle du premier amendement. On reviendra sur le deuxième amendement, mais d'abord, pour l'instant, on est sur celui-là. S'il y a des réflexions à faire, c'est celui-là. Nous allons le voter, oui, non, etc. Et nous avancerons avec d'autres amendements. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole par rapport à cet amendement-là ? Merci. Je crois trahir personne en disant que le groupe des Verts peut aussi accepter l'amendement proposé. Simplement, il y a les deux mots sans attendre, en fait, qui rejoindraient ce qu'a proposé M. Clémence, qui soulignerait le caractère urgent. Donc, si on pouvait garder simplement ces deux mots sans attendre avec l'amendement qui est proposé, voilà.
Merci, Monsieur Vogel. Donc, en fait, vous proposez de réamender un amendement pour revenir quasiment au point de départ. Mais voilà, enfin, je sais. Monsieur Gaulet. Bon, sans attendre, je pense que de toute façon, ce que nous, on ne souhaite pas, c'est comme on l'a dit, c'est que demain matin, on voit des lignes jaunes, des pas, des traces de pattes d'animaux, comme ça s'est produit en ville de Genève. Sans attendre, ça pourrait nous convenir parce que ça laisse quand même une certaine marge de réflexion et puis ça permet aussi aux commissions de pouvoir revenir sur le sujet parce qu'il ne faut pas que ça soit des décisions qui soient fermes et puis qu'on retrouve tout ce qui sera été entrepris après le COVID. Je pense que si vous utilisez justement cette situation, ce n'est pas pour en faire un thème. Votre thème politique, vous l'avez, mais ce n'est pas pour prendre des mesures qui sont imposées sur du très long terme. Il faut rester, disons, comme je l'ai dit auparavant, sage, prendre des décisions réfléchies et puis pas se précipiter pour prendre des mesures qui vont révolter la moitié de la population de Lancy et puis heurter les automobilistes aux cyclistes. Je pense que ce n'est pas le but de chacun. Il faut qu'on vive en parfaite harmonie sur la commune. Et si c'est sans attendre, je pense que la marge peut être justement de un mois, deux mois. Je ne pense pas que c'est demain matin. Voilà. Merci, donc, sans attendre, on pourrait laisser. C'est ce que je suggère au groupe, puisque ça évolue de manière assez rapide. Donc, on n'a pas pu se positionner sur cet nouvel élément. Mais je pense que ça, en tout cas, en ce qui me concerne, ça peut me convenir. Très bien, donc je relis la proposition du groupe MCG avec la modification de M. Clémence à mettre en œuvre sans attendre de nouvelles mesures afin de renforcer la mobilité douce sur le territoire de la ville de Lancy. Le sans attendre, c'était le vôtre, hein, urgent, mais on va s'entendre. Pardon, excusez-moi, alors c'était M. Vogel. Celles et ceux qui acceptent cet amendement, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Par 24 oui, cet amendement est accepté. Nous passons au reste. Y a-t-il d'autres propositions, d'autres amendements? Monsieur Colleoni, vous avez la parole. Alors moi, je voulais revenir sur le point 2, mais c'est d'amender et d'enlever sans attendre. Voilà. Non, mais il est vrai que l'urgence, et en plus, là, dans cette zone, les zones 20, il faut quand même oublier le sans attendre. On sait que les routes cantonales, en plus, il y a certaines routes où il y a les écoles, c'est des routes cantonales. Donc, le temps d'avoir des réponses sur les routes cantonales, je ne pense pas que ça va être du 1 mois, 2 mois. Donc, ça ne va pas être sans attendre. Et puis, à ma connaissance, on a déjà des 20 km dans la plupart des zones où il y a les crèches, les écoles, etc. Donc, à ma connaissance, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de mettre ça d'urgence, en tout cas pour ces secteurs-là. Donc, les PDC vers les broutes souhaitent amender et enlever sans attendre. Au point 2. Le point 2. Les invite très bien à la parole tellement des M. Feugel. Alors, je peux parfaitement. Merci, Monsieur le Président. Je peux parfaitement comprendre, effectivement, que de mettre en place des zones de rencontre, ça demande un investissement plus lourd que, effectivement, mettre deux coups de peinture sur la route. Maintenant, si je lis simplement la phrase, par ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil d'État à mettre en place sans attendre des zones de rencontre. On est au bon endroit. Justement, s'il y a des conséquences cantonales, on invite le Conseil d'État. Donc je vois pas la nécessité d'enlever le sans attendre en pensant que le Conseil d'État, de toute façon, va prendre son temps. Merci, M. Vogel, pour ce pragmatisme. M. Bonfanti, vous avez la parole.
Monsieur Colleoni, actuellement, il n'y a pas vraiment de cohérence sur les réseaux qui sont à proximité des écoles. On a du 50, du 40 et du 30 km/h. Monsieur Colleoni. Monsieur Bonfanti, il me semble qu'il y a du 20 aussi. Proximité de chez nous, juste derrière, c'est-à-dire, oui, juste derrière l'école du Petit Lancy, ben, tout le reste est en zone. Je prends l'exemple de l'école des Palettes, on est à 50 km/h. Je prends l'école en Sauvie, on est à 40 km/h. Je prends d'autres zones, on est en zone 30 km/h. Donc, à part cette zone-là qui est à 20 km/h et qui ne me semble pas être un exemple parmi tous les autres écoles qu'on a, on a vraiment une différenciation au niveau du kilométrage. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si à mon avis, on veut tout passer à 20 ou à 30 km/h. Monsieur Colleoni, ensuite Madame Van de Put. Je vais permettre de répondre. Alors, pourquoi faire ça d'urgence alors qu'on ne l'a pas fait avant? Il y a quand même une incohérence là-dessus. C'est que quand on a fait les écoles, pourquoi on n'est pas déjà passé à ces zones à 20 à ce moment-là? Et que maintenant qu'on a ce mode en Covid, on va maintenant tout faire en urgence et tout passer comme ça. C'est juste que j'arrive pas à saisir l'urgence maintenant. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame Van de Put. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que ce sans attendre, donc c'est pour effectivement c'est synonyme de mesures urgentes. Vraiment, j'invite tout le monde à ne pas se laisser emporter par cette volonté de vouloir faire les choses très vite. On a des exemples très concrets autour de nous, dans les communes voisines, où c'est compliqué. De partir dans des mesures d'urgence, et si on maintient le sans attendre, le risque qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des équipes dans l'administration qui vont passer beaucoup de temps pour réparer les erreurs, pour essayer de récupérer les fautes. Donc toutes ces équipes qui vont aller sur place pour faire des marquages, elles vont être resollicitées. Il va falloir répondre aux doléances, il va falloir réparer ce qui pourra l'être. Et puis il faudra un petit peu vivre avec certaines situations compliquées le temps que l'analyse se fasse et qu'effectivement, alors du coup après, on répare la situation ou qu'on installe d'autres choses qui sera plus viable. Donc pour moi, c'est de partir dans l'urgence, vraiment, on prend trop de risques. On risque de perdre de l'argent, de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Des collaborateurs qui se déplacent et qui répondent à des doléances, c'est de l'argent. Moi, je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps d'analyser les situations, les circuits, les aménagements, que ce soit bien pensé, bien réfléchi, comme je l'ai dit avant. Donc moi, je soutiens le fait qu'effectivement, on enlève ce sans attendre. J'aurais voulu qu'on l'enlève aussi du 1, parce que ça a besoin d'être traité en commission. C'est important. Maintenant, ça peut être traité en commission de manière urgente. Je pense que si on s'y met en commission et qu'on travaille là-dessus, ça peut peut-être se résoudre plus vite que ce qui arrive depuis 2018, manifestement. Merci Madame la députée. Je vous rappelle qu'on est déjà dans la discussion immédiate. Le renvoi en commission n'est plus du tout, enfin n'est plus envisageable. Donc maintenant, on amende ou pas, on accepte ou on refuse. Mais on va dans ce sens-là. Madame Devecchi, vous avez demandé la parole. Non, Monsieur Gaulet. Merci Monsieur le Président. Alors, je pense que ce que va nous dire Monsieur le maire va être important de savoir s'il faut vraiment voter ou non se sans attendre. C'est clair que tout dépend des autorités exécutives. Si demain matin, ils nous disent que tout va être transformé, je pense que là, on ne peut pas considérer que se sans attendre, ça veut dire prendre immédiatement l'étude de ces modifications de chaussée, de marquage de chaussée. C'est ça. Je pense que maintenant, moi, j'attends aussi la réponse de M. Bonfanti. Je pense que c'est lui qui va s'exprimer sur ce sujet. Ça va être très important. C'est clair, comme je l'ai dit,
Si c'est demain matin, si c'est ça sans attendre, on n'est pas d'accord. Donc, on va se positionner. Si ça sera réfléchi, même si ça ne passe pas en commission, puisque ça sera voté probablement sur le siège, mais qu'on puisse toujours aussi, le conseil municipal, dont de toute façon, c'est notre droit de revenir sur chaque décision qui est prise, hein, on pourra faire des évaluations. Mais si on regarde ce qui est demandé sur la... Sur le texte, il est bien mentionné. Ce qui heurte le plus la population, c'est l'élargissement des pistes cyclables. Là, c'est bien mentionné que si c'est possible, l'élargissement. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'on a sur la commune. J'imagine mal que demain, il n'y ait plus qu'une voie de circulation sur les communes réunies ou sur la route, le bas de la route du Gond-Lancy, parce que là, on arriverait à un fiasco qui serait total. Pire que ce qui se passe en ville de Genève. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités, d'autant plus que nous avons déjà bien des pistes cyclables, que j'ai pris l'exemple commune réunie. Tout le long, il y a des pistes cyclables qui sont largement suffisantes si on regarde le nombre d'utilisateurs pour ne pas supprimer une voie de circulation supplémentaire. Donc, c'est bien aux endroits où c'est possible. Donc, on peut faire confiance au conseil administratif pour autant qu'ils nous disent que demain matin, il n'y a pas des peintures sur toute la chaussée de Lancy. Je vous rappelle que ça me rappelle cette peinture culturelle qui avait été mise aux essais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est un autre sujet. Mais ça a été aussi voté dans la précipitation d'embellir la trajectoire du tram. Et puis, on a vu ce que ça a donné. Personne ne regardait ces peintures. Donc, il faut vraiment, je vais revenir sur le sujet, oui, Monsieur le Président, mais je sais qu'il y a des artistes peintres, tout ça pour dire, sur cette commune, n'allons pas dans un sens et surtout contre le mur par rapport à ces... Je pense que tout le monde a compris vos propos. Je voudrais être bref parce que sinon, sans attendre... Et je vous demande, en tout cas, d'attendre la... En tout cas, ce que va nous dire là. Monsieur Gaulet, je vous remercie. Et je peux parler, c'est mon droit. Écoutez, ce n'est pas limité encore. Je ne pense pas que vous avez imposé. Bon, il faut. Voilà. C'est très démocratique. C'est très démocratique. Merci, Monsieur Eschbacher, qui a demandé sans micro une motion d'ordre, mais qui cède quand même la parole à Monsieur Bonfanti. Monsieur Bonfanti, vous avez la parole. Merci, et après, on passera à la motion d'ordre. Alors, les pots de peinture ont déjà été achetés. Hein. Je... non, hormis cela, bien sûr qu'évidemment, c'est vrai que quand on dit le plus rapidement possible et autres, il faut bien être conscient que par rapport à la ville de Genève, si je prends cet exemple-là, c'est une fake news de penser que ça s'est passé en une soirée et puis qu'il n'y a aucune séance de concertation qui a été mise en place. Les services de l'aménagement du territoire et les services de l'État au niveau de la ville de Genève, ça fait 2 ans qu'ils discutaient de cela. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il y avait des discussions et au bout de 2 ans, ils ont décidé de mettre en place cela parce que oui, il y avait l'opportunité Covid et qu'on savait très bien que les gens ne prenant pas les transports publics et allant utiliser le réseau, on souhaitait qu'ils utilisent plutôt le vélo plutôt que la mobilité individuelle motorisée. Donc oui, il y avait quand même 2 ans de discussion. Pour la ville de Lancy, j'entends si cette résolution devait être acceptée, il est bien entendu qu'on va devoir discuter avec l'État des opportunités et des lieux où on pourra travailler là-dessus. On ne va pas du jour au lendemain installer des pistes cyclables et mettre des zones 20 comme ça. Il y a une réflexion qui va devoir avoir lieu. Par contre, là où oui, on doit être rapide, c'est sur les discussions entamées avec l'État. On ne va pas attendre 6 mois avant de rentrer en discussion avec l'État. L'objectif, c'est d'avoir une séance technique assez rapidement pour qu'on puisse voir les lieux, déterminer les lieux où on pourrait avancer assez rapidement sans qu'il y ait trop de contraintes et puis tout en respectant la loi, bien entendu. C'est un élément, à mon avis, indispensable qu'il faut dire. C'est que voilà, on va avoir une réflexion, c'est certain. Je ne pense pas qu'on ait besoin de passer en commission. Heureusement, ça a été mis de côté. Mais on va travailler conjointement avec l'État pour trouver des solutions qui soient les plus intéressantes, tant pour les cyclistes que pour les autres acteurs de la mobilité. Merci, Monsieur Bonfanti. Donc, selon l'article 35, je passe la parole à Monsieur Eschbacher et ensuite à l'ensemble des groupes qui le demanderont une personne par une. On se limitera donc aux 5 prochaines interventions, une par groupe. Et nous voterons cette motion d'ordre. Si elle est acceptée, nous passerons directement au vote de cette proposition, de cette résolution. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que chacun des groupes politiques a pu s'exprimer sur... Cette résolution, longuement pour certains, donc je laisse les autres groupes politiques s'exprimer là-dessus.
Et puis, je vous propose de soutenir donc cette motion d'ordre qui nous permettra de passer à d'autres points. Il y aura encore à peu près autant que ce qu'on vient de traiter. Donc voilà, merci. Monsieur Eschbercher, merci. Monsieur Clémence, vous avez la parole pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai un petit peu un souci formel, puisqu'il me semblait qu'on était en train de traiter de l'amendement du PDC. Donc, je ne comprends pas très bien si la motion d'ordre s'adresse à l'amendement ou s'adresse à la voie de la résolution en nous faisant bypasser la partie sur l'amendement. Donc, c'est un peu dommage, parce que sur l'amendement, j'allais dire que nous pouvons tout à fait le soutenir et aller dans le sens du PDC, d'enlever le mot sans attendre, en particulier si ça permet de réunir une majorité plus importante de ce conseil municipal sur le vote de la résolution. Donc, je proposerai, si Monsieur le Président l'accepte, qu'on vote formellement quand même sur l'amendement proposé par le PDC, que l'on soutiendra au terme en tant que groupe socialiste. Et puis, effectivement, ensuite, on pourra voter sur la résolution. Je ne sais pas si formellement, vu que je n'ai plus la parole après, je fais la prise de parole de fond que je souhaitais faire après les amendements. Donc, peut-être, si vous me permettez, je vais enchaîner en essayant d'être bref. Simplement pour rappeler par rapport à certains éléments qui ont été dits concernant par exemple la liberté de choix du mode de transport, certains ont rappelé la constitution genevoise qui effectivement formalise cette liberté de choix. Les lecteurs attentifs ont remarqué que dans la constitution, sur ce même alinéa, il est indiqué aussi la sécurité du mode de transport et sa fluidité. En effet, ça comprend aussi la mobilité douce, et vous comprendrez bien, pour ceux qui ont lu l'étude de PFL de Vincent Kaufmann de l'année passée, qu'il y a d'une part plus de automobiliste exclusif, tout le monde prend plusieurs modes de transport à des moments différents de sa semaine ou de son année. Donc ça veut dire que des automobilistes qui seraient des automobilistes du quotidien prennent aussi le vélo à différentes occasions. Et le deuxième élément qui a relevé de cette étude, c'est que le premier critère qui empêche les gens de choisir le vélo, c'est la dangerosité. Et donc c'est bien dans ce sens-là qu'on propose des mesures importantes, qui sont effectivement des mesures, on l'a rappelé, urgentes, puisqu'elles répondent à l'actuel choix du mode de transport en cas de crise, lors de cette crise actuelle. Et donc, c'est bien pour ça qu'on propose cette résolution qui est, et ça a été rappelé tout à l'heure par les Verts, complètement complémentaire avec la motion que l'on traitera en commission. Je vais essayer de d'écourter, peut-être pour dire aussi par rapport aux prises de position des différents groupes, sachant que pour la partie PDC en particulier, c'est une mesure prise par leur magistrat au niveau cantonal qui a été soutenue par leur groupe politique au Grand Conseil aussi, donc au niveau cantonal. Donc je scrute avec attention le vote des élus lancéens ce soir au niveau du PDC, sachant que même le PLR aussi est divisé au niveau cantonal. On a vu certaines démissions, on a vu certaines prises de position de votre ancien président également. Donc, et puis je rappellerai aussi que sur les trois textes qui avaient été déposés au Grand Conseil, donc deux contre ces mesures, un en faveur, le PLR a aussi voté la mesure en faveur, la troisième des motions qui étaient proposées. Donc je pense que c'est un texte qui peut réunir quand même une large majorité de notre Conseil, en particulier puisque nous faisons le travail de compromis, comme quoi tout est possible, d'aller en acceptant les amendements des uns et des autres. On l'a fait pour celui du MCG, comme je l'ai dit, on le fera pour celui du PDC, en espérant que ça puisse amener, si ce n'est l'unanimité, au moins une très large majorité de notre Conseil. Je vous remercie. Merci, Monsieur Clémence. Monsieur Gaulet, pour le groupe MCG. Merci, Monsieur le Président. J'espère que je ne vais pas encore déranger Monsieur Eschbercher de prendre la parole. Oui, alors je tiens à remercier le groupe socialiste de ce compromis. Je pense que le MCG, si ce n'est pas traité dans une urgence immédiate, sera vraiment en train à faire son travail à l'occasion, lorsqu'on aura des présentations par rapport à ce qui sera décidé par le conseil administratif. Si on aura encore un mot à dire, mais je pense que, connaissant le côté démocratique du conseil administratif, je pense qu'ils nous soumettront justement leurs propositions avant de changer le cours de l'histoire sur la commune. Donc on participera vraiment, c'est sincère, aux travaux qu'il y aura, en tout cas, ou à l'acceptation de ce qui peut améliorer la sécurité de chacun. Merci. Merci, Monsieur Gaulet. Pour le groupe PDC Verts Libéraux, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, ou pour le groupe des Verts, Monsieur Feugel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire très vite, simplement pour dire que nous aussi, on peut parfaitement soutenir l'amendement qui est proposé au point 2, à mettre en place des zones de rencontre, en particulier aux bases abords des écoles. Ça nous va très bien si on enlève le sans attendre. Rappelons que la résolution, en fait, dit bien que le conseil municipal invite le conseil d'État
Merci, Monsieur Feugel. Pour le groupe PDC, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, nous continuons. Je vous ferai voter rapidement, puisque j'ai l'impression qu'il y a un consensus quand même sur cet amendement de supprimer au point 2 le sans attendre. Donc, ça fait à mettre en place des zones de rencontre, etc. Enfin, la suite, vous la connaissez. Celles et ceux qui sont d'accord avec cet amendement, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. On ne compte pas une majorité. Ceux qui refusent cet amendement. Deux voix, deux refus, et celles et ceux qui s'abstiennent. 6. Donc c'est par 28 voix pour, 2 abstentions et 6 contre que cet amendement est accepté. Nous allons passer à l'acceptation, enfin au vote de cette résolution. Celles et ceux qui l'acceptent. Ah non, en fait, non, on n'a pas voté l'urgence. Il faut peut-être voter la motion d'ordre. Merci, Monsieur Clémence. Donc, celles et ceux qui sont d'accord avec cette motion d'ordre pour aller, donc ce serait pour voter directement cette résolution, veuillez bien lever la main. C'est génial, il y a presque une majorité. Enfin, il y a une majorité, il y a presque une unanimité. Celles et ceux qui refusent cette motion d'ordre. 0. Celles et ceux qui s'abstiennent. 3 abstentions par 33, oui, 3 abstentions et aucun refus. La motion d'ordre est acceptée. Nous passons donc au vote de cette résolution. Celles et ceux qui acceptent cette résolution, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Par 28, oui, cette motion est acceptée. Juste pour savoir les nombres d'abstentions, s'il vous plaît. 4 abstentions et les refus. 4, le compte est bon. Merci. Nous allons passer au nouveau point 8, précédemment le 7. Commission des travaux et construction, séance des 6 janvier, 3 février et 2 mars. Rapporteur, monsieur Couteau, peut-être. Voilà, mais on va dire qu'on va supporter grâce à madame Adam, qui va nous faire le rapport de Madame Très bien, alors voilà votre rapport qui est pour donc le 3 février. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour le rapport de la commission du 3 février, le concept énergétique territorial a été présenté à la commission sous forme d'un PowerPoint lors d'une précédente séance. La discussion se porte dans un premier temps sur le concept en lui-même, puis sur les fiches actions et la fiche EJ. Cette dernière pourra être préavisée, mais sera votée en même temps que le plan directeur communal dans sa globalité. S'ensuit plusieurs discussions, notamment au sujet de la sensibilisation des enfants aux questions liées à l'énergie par le biais du concept école de l'énergie Lancy, ou au sujet des économies d'énergie réalisées sur les immeubles appartenant au patrimoine administratif ou financier de la commune de Lancy par le biais de systèmes de comptage intelligents mis en place il y a quelques années qui permet à un collaborateur de la ville de Lancy d'avoir accès aux consommations respectives de ces immeubles et constater rapidement s'il y a des dérives. Plusieurs remarques ont été faites ensuite. Plusieurs remarques sont ensuite faites sur le concept en lui-même. Il a été accepté par la commission que la fiche action numéro 7 soit complétée pour y mettre un double aspect. La sensibilisation devait être faite autant auprès de la population individuelle générale que systématiquement dans toutes les écoles. C'est un peu indigeste, je suis navrée. Suite à plusieurs échanges entre une commissaire et le conseil administratif en charge des travaux, la commission accepte d'ajouter dans le point description de l'action de la fiche numéro 5 une explication quant au fait qu'au réseau CAD peut avoir une première phase fossile, mais qui est vouée à être substituée. La commission accepte ensuite dans le volet sur la sensibilisation globale auprès de la population, dans la fiche numéro 7 qui mentionnera aussi la possibilité d'un stand d'information concernant le développement durable et l'énergie, par le service des travaux et de l'urbanisme lors des séances de naturalisation.
Sur proposition d'un commissaire, la commission accepte que la fiche J mentionne simplement avec comme objectif une société à 2000 watts et que les termes précédents de cette phrase soient supprimés. Et sur proposition du même commissaire, la commission accepte 3 modifications de tournure de phrase et de syntaxe. Concernant la suite et le futur vote, le conseil administratif propose que ce point soit remis à l'ordre du jour pour une prochaine séance de la commission après que les modifications discutées ci-dessous aient été effectuées. Et pour le rapport de Madame Gachet-Greffield, Monsieur Lorenzini annonce. Oui, pour la séance du 2 mars, en effet, voilà. Monsieur Lorenzini annonce que le concept énergétique territorial a été renommé à la demande du canton. Il s'intitule désormais Plan directeur des énergies communales, abréviation PEDEC. En effet, il s'agit d'un document qui est appelé à être intégré comme annexe au plan directeur communal. Ce document sera voté en même temps que le PDCOM. Un échange se fait sur quelques demandes de précision dans le texte. À l'unanimité, les membres de la commission préavisent favorablement aux fiches du CET. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Madame. Nous allons donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Si tel n'est pas le cas, nous allons voter le concept énergétique territorial et la validation des fiches. Celles et ceux qui sont pour, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité. Je vous remercie. Point 8, Commission des finances du logement, séance du 18 mai 2020, rapporteur Monsieur Thierry Eschbacher. Au point A, nous avons l'examen et l'approbation des comptes 2019 de la Fondation communale pour le logement des personnes âgées. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En introduction, Monsieur Lorenzini relève que, comme à l'accoutumée, la Commission reçoit les représentants de la Fondation pour le logement des personnes âgées de la ville de Lancy et l'Association des EMS de Lancy pour une présentation de l'activité et des comptes de ces entités. Il est observé que la Fondation dégage un bénéfice de 467 000 francs. Le Président précise que le comité et le conseil de fondation sont extrêmement attentifs à la bonne gestion des comptes. Les dépenses de la Fondation se limitent aux travaux nécessaires, aux investissements et aux amortissements, d'où ce résultat de plus de 400 000 francs. La parole n'étant plus demandée, le Président procède au vote. Les comptes 2019 de la Fondation communale pour le logement des personnes âgées sont approuvés par 10 oui et 2 abstentions. À relever que les 2 abstentions sont des membres de la Fondation, qui sont également conseillers municipaux. Monsieur Eschbacher, je vous remercie. La parole est-elle demandée? Si tel n'est pas le cas, nous allons passer au vote de cet arrêté. Celles et ceux qui l'approuvent, eh bien, levez la main, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est une unanimité. Nous passons au point B, examen et approbation des comptes 2019 de l'association des EMS de Lancy. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Ça ira encore plus vite. Les comptes 2019 de l'association des EMS de Lancy sont approuvés également par 10 oui, avec de nouveau 2 abstentions qui sont toujours les mêmes 2 commissaires qui sont conseil municipal. Merci, monsieur Eschbacher. Est-ce que la parole est demandée? Tel n'est pas le cas. Nous passons au vote. Celles et ceux qui approuvent les comptes 2019 de l'association des EMS de Lancy, veuillez bien lever la main. C'est encore une unanimité. Je vous remercie. Examen et approbation des comptes 2019 de la Fondation communale immobilière de Lancy. C'est toujours un arrêté. C'est pas une unanimité. Il y aura 2 abstentions chaque fois, puisqu'on est encore conseil municipal et c'est les comptes de l'année passée. Ah oui, je ne vous ai pas vu, je ne peux pas lever la main. En effet, je vous remercie de cette précision, monsieur Eschbacher. Point C, examen et approbation des comptes 2019 de la Fondation communale immobilière de Lancy. Monsieur Lorenzini relève qu'en 2019, l'activité de la Fondation communale immobilière de Lancy était extrêmement riche. Livraison d'un immeuble de type IOPA dans le quartier à la fin de l'année passée. Construction conjointement avec la FCLPA des immeubles L1 et L2 à l'adresse. Achat d'un immeuble de logement existant dans le quartier de Tivoli. Monsieur Lorenzini évoque ensuite 3 projets de développement. L'un à la bâtie, dont le chantier devrait démarrer cet automne. L'autre à survie, dont le chantier devrait démarrer en septembre. Et le troisième au Bachet, dont le chantier devrait démarrer en septembre égal ou octobre. La fondation va donc atteindre 640 logements dans 2 ans et demi. La parole n'étant pas demandée, le président procède au vote. Les comptes 2019 de la Fondation communale immobilière de Lancy sont approuvés par 11 oui et 1 abstention en raison de l'appartenance du commissaire à la fondation. Je vous remercie. On va passer directement au vote. Celles et ceux qui s'abstiennent,
comme ça on aura le décompte clair. Merci. Donc une abstention, celle de ceux qui approuvent. Merci, c'est une unanimité. Moins une abstention. Examen et approbation du rapport d'activité 2019 de la Fondation communale immobilière de Lancy. Le rapport d'activité 2019 de la Fondation communale immobilière de Lancy est approuvé également par 11 oui et une abstention. Toujours pour les mêmes raisons. Je suppose que la même personne s'abstiendra aussi sur ce vote. Voilà, celles et ceux qui acceptent ce rapport d'activité. Veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. C'est une unanimité, moins une voix. Chantiers divers, bouclement des crédits d'engagement pour divers chantiers terminés. Monsieur Lorenzini précise que cela concerne 27 bouclements. Malheureusement, un certain nombre de bouclements, principalement des dossiers de génie civil qui nécessitent des décomptes, puis une validation par le FIA pour le remboursement, n'ont pas pu être intégrés. Le président attire l'attention des participants sur la synthèse en dernière page. Le solde disponible dans les dépenses brutes est de 100 000 francs sur un montant de 61 400 000. Cela montre la très bonne gestion des différents chantiers. La parole n'étant plus demandée, le président procède au vote. Le bouclement des crédits d'engagement pour divers chantiers terminés est accepté à l'unanimité. Je vous remercie, monsieur Eschbacher. Sur ce point, je vous demanderai d'abord d'accepter le fait qu'on vote ces 5 rapports ensemble, sinon on les votera un par un. Donc la première chose, je vous demande d'accepter de faire un package, on ira un tout petit peu plus vite. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition, veuillez bien lever la main s'il vous plaît. Merci, je dirais que c'est à l'unanimité, c'est parfait. Donc nous allons passer au vote de ces bouclements de crédit d'engagement pour les divers chantiers. Celles et ceux qui acceptent, veuillez bien lever la main, s'il vous plaît. Je vous remercie. Le bureau vous propose 7 minutes de pause pour vous bouger, vous désaltérer, aller faire ce que vous avez à faire. Et nous reprendrons éventuellement avec tous les rapports. Nous avons fini tout ce qui est vote. Et on verra sur les rapports si nous reprenons. Et en tout cas, il y a les points finaux ensuite, proposition individuelle et question du public, si par hasard un public nous rejoint. Voilà, 5 minutes.
Mesdames et messieurs, merci. On va reprendre cette séance. Après consultation de tous les chefs de groupe, on a décidé que les points suivants, qui sont des rapports de commission, seraient directement inclus. Et je vous remercie de remettre vos rapports à la secrétaire du conseil municipal. Ils seront inclus au PV. Et nous passons directement au point 18, propositions individuelles et questions. Monsieur Eschbacher, vous avez la parole. Le 20 juin 2019, ce conseil votait une motion intitulée « Pour une place du 1er août véritablement piétonne ». Cette motion invitait le conseil administratif à rendre complètement piétonne cette place selon la volonté exprimée lors du vote de son réaménagement. Ces derniers jours, nous avons vu avec bonheur réapparaître les aménagements urbains propices au repos et à la détente, ainsi que la remise en fonction des jets d'eau et avec eux l'augmentation de la présence d'adultes et d'enfants. Au vu de la situation sanitaire actuelle et de la problématique liée aux vacances, il y a une forte probabilité que la fréquentation de cette place augmente encore plus fortement durant cet été. À l'époque, le conseil administratif avait affirmé « De toute façon, on a déjà travaillé sur la place du 1er août, comme on a travaillé sur l'ensemble du territoire. » C'est pourquoi nous aimerions savoir pourquoi un an après, nous n'avons toujours pas eu de réponse, et ceci avant qu'un malheureux accident ne survienne sur cette place. Je vous en remercie d'avance. Merci, Monsieur Eschbacher. Monsieur Clémence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Une annonce et une question. La première concerne la place occupée par Camille Gobet suite au vote de ce conseil à la commission d'exploitation du stade Lancy-Florimont. Madame Camille Gobet nous a annoncé son déménagement de Lancy. Elle doit renoncer à son poste. Et donc, le groupe socialiste propose Madame Nancy Ruera en lieu et place pour occuper ce poste. La deuxième concerne une question sur la pollution de l'air, sachant qu'un article est paru fin mai concernant une rupture de conduite qui a conduit à la pollution de l'air, notamment sur la commune de Lancy. Ma question est double. D'une part, est-ce que cette pollution est terminée? Et d'autre part, a-t-on une idée des causes de cet incident et des raisons de la rupture de cette conduite? Je vous remercie. Merci, Monsieur Clémence. Nous avons pris note du premier point du remplacement. Monsieur Haas, vous avez la parole. Monsieur Clémence m'a enlevé la question liée à l'air, donc je l'en remercie. J'en ai quand même deux autres pour le conseil administratif. Une qui concerne cette passerelle qui devait relier les arrêts du bus 20 à hauteur de Hamag et qui était une contrepartie suite à une cession de terrain. Alors Hamag a inauguré un très beau centre, mais on n'a pas notre passerelle. Et ça me fâche beaucoup parce que c'était vraiment quelque chose de... qui faisait partie intégrante de la négociation. Et je crois que Covid ou pas, là, il faut leur mettre la pression pour qu'ils démarrent ce chantier. Ça me paraît, par rapport aux usagers et aux gens à mobilité réduite, impératif. Puis ma deuxième question, elle va être presque en lien avec la sécurité des cyclistes. Notre magnifique rampe du Pont Rouge qui se détériore tous les jours avec le passage de 2 bus sur 3 qui sont vides. Je vous rappelle qu'on les avait quand même chassés à l'époque avec une motion. Puis que maintenant, on a à nouveau le cas, le J et le 21. C'est un véritable scandale parce que cet axe n'est pas prévu pour ça. Donc non seulement on est en danger comme cycliste, il nous détériore le revêtement et il y avait un message et un crédit qui avait été voté pour qu'on améliore cet endroit, y compris avec un aménagement cycliste et une pacification de la place des Ormeaux. À ce jour, il n'y a rien qui est pacifié. Je vous remercie, Monsieur Haas. Monsieur Jotran, vous avez la parole. J'ai une question à l'attention du conseil administratif à propos de la rampe voisine, celle du Grand Lancy, où depuis plusieurs années, deux chantiers ont lieu, celui de l'Adret et celui de la gare CFF de Pont-Rouge. Le trottoir est supprimé. Il y a un chantier aussi en amont qui oblige les piétons à deux traversées. La piste cyclable dans le sens Lancy-Ville de Genève finit dans la palissade avec une jonction dangereuse avec le trafic. Le coronavirus explique certainement une part du délai, mais certainement pas tout. J'aimerais savoir dans quel délai on pourrait envisager un retour à la normale et à la sécurité pour les cyclistes. Merci. Merci, Monsieur Jotran. Y a-t-il encore une autre personne qui voudrait prendre la parole? Si tel n'est pas le cas, je cède la parole au conseil administratif. Répondre à ces diverses questions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais répondre à deux questions et ma collègue a
Deux autres questions par rapport à la résolution sur la place du 1er août. En fait, nous avons intégré cette résolution à l'étude sur la mobilité douce, dans la mesure où elle fait partie du réseau. Donc, le bureau qui a été mandaté par rapport à cette mobilité douce doit travailler aussi sur la place du 1er août et pouvoir trouver des solutions qui permettent de créer, on va dire, une continuité de piste cyclable entre l'avenue du Curé Beau et puis l'avenue des communes réunies ainsi que les Courtilles. Ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de véhicules type vélo qui passaient sur la place du 1er août. On avait aussi demandé des statistiques qui sont auprès des APM, mais il semblerait que jusqu'à présent, on n'ait pas eu d'accident. Alors, heureusement, c'est bien heureux, mais effectivement, on doit pouvoir travailler là-dessus. Donc, dès qu'on présentera cette étude à la rentrée, ben, on pourra travailler sur et vous présenter ces éléments-là qui sont en lien avec la place du 1er août. Voilà. Par rapport à la passerelle Amag, on s'est aussi offusqué du fait que la passerelle n'était toujours pas mise en place et on nous a expliqué que c'était pour les questions d'ordre technique, mais qu'ils n'avaient pas oublié de l'installer. Voilà. Donc il faut juste être attentif par rapport à ça, c'est vrai. Mais voilà, on a eu deux, trois petits couacs à ce niveau-là, mais ça va de l'avant. Merci beaucoup. Moi, je vais répondre sur les deux rampes. Alors, la rampe de Pont-Rouge, effectivement, c'est un dossier que je suis en train de reprendre. On a des difficultés avec le canton pour changer. Étant donné que, oui, on a déjà travaillé au niveau de notre commune, mais le canton a toujours des difficultés par rapport à l'étude que nous avions présentée. Il n'est pas satisfait au niveau du haut et du bas, c'est-à-dire à la hauteur de la FMB, avec des questions de feu, etc. Et pour l'instant, on n'arrive pas encore à s'entendre. Et puis, il a encore, mais ça ne saurait tarder. Et puis, il a aussi des problèmes en haut, à la hauteur du chemin des vieux chênes, avec des questions de présélection, de rond-point, d'aménagement de voirie. Et donc on est d'accord sur la question de la piste cyclable qui doit aller entre les deux, mais étant donné que l'ensemble est pris dans quelque chose de plus grand, pour l'instant on se bat toujours un peu avec l'Office cantonal des transports. Mais donc M. Lorenzini m'avait fait un topo là-dessus et ça fait partie des dossiers que je dois reprendre et faire avancer. Pour répondre à M. Jotran, en ce qui concerne la rampe du Grand Lancy, j'ai posé les mêmes questions et obtenu des réponses cette semaine, parce qu'effectivement, je m'offusquais des mêmes choses. En fait, il y a deux éléments. Au niveau de sous le pont, et puis en direction vraiment de l'étoile, où là, il y a toujours des barrières et puis le trottoir qui n'est toujours pas fini. La problématique, c'est les SIG. C'est-à-dire qu'on ne peut pas terminer le trottoir parce que les SIG n'ont pas terminé de poser des réseaux et puis que les SIG sont à peu près la dernière entité qui fait des ouvrages et des travaux à se remettre au travail après le Covid. Donc en gros, les chantiers SIG sont prévus de recommencer le 1er juillet. Donc j'ai demandé déjà en début de semaine à ce qu'on les rescoue assez sèchement parce que évidemment ils bloquent tout. Tant qu'ils n'ont pas refait leur réseau, on ne peut pas refaire le trottoir ni la piste cyclable et on continue avec ces barrières qui servent à rien depuis des mois. Ça c'est pour cette partie-là. Et par contre, M. Jotran faisait aussi référence un peu plus en amont sur la fin de la pente, à la hauteur des bâtiments de la FCLPA. Là, la problématique, elle avance, mais elle n'est pas satisfaisante non plus. Encore la faute au canton, parce que sur ce dossier, en fait, ça fait 9 mois qu'il y a des palissades qui ne servent à rien. Enfin, qui ne servent à rien, disons. Elles servent à protéger, mais le chantier qui est derrière et qui devrait avancer n'avance pas. Alors, bien sûr, il y a eu Covid qui ne nous a pas aidés, mais à part ça, il y a deux problématiques à cet endroit-là, ce qu'on appelle le mur nord et ce qu'on appelle la couture ouest. Donc, le mur nord, c'est la partie qui est attenante à la rampe du Grand Lancy, qui doit être consolidée. Et puis là, il y a eu vraiment énormément de retard pris par le mandataire du canton. Et nous, on est simplement... On observe, on crie, on s'énerve, mais disons, c'est pas nous qui sommes
maître d'ouvrage. Le dossier est enfin en train d'avancer et pour ceux qui sont passés récemment, là, depuis 2 semaines, le travail sur cette consolidation du mur nord se fait. Donc maintenant, les palissades sont enfin utiles alors que pendant 9 mois, elles ne servaient à rien. Le deuxième élément, parce qu'on est dans un coin, c'est la couture ouest. La couture ouest, c'est le travail de finition en béton puis végétalisé qui s'adosse à la colline du Grand Lancy. Et là, c'est aussi le canton qui devait faire ses travaux, mais là, ça traînait tellement que la ville de Lancy a pris en charge de faire elle-même les travaux, puis de se les faire évidemment rembourser par le canton pour que ça avance davantage. Il y a un énorme enjeu, c'est que sans cette couture ouest, il n'y a pas d'accès SIS possible, et sans accès SIS possible, il n'y a pas d'emménagement des locataires. Or, nous sommes dans le lot A de l'Adret où nous avons 2 immeubles de l'AFSIL et de l'AFCLPA et une crèche qui doit impérativement ouvrir à la rentrée. Donc nous avons évidemment un enjeu extrêmement fort et nous les talonnons très sérieusement pour que ça passe. Normalement, ça passe juste, mais les travaux sur cette couture ouest vont être terminés durant le mois d'août, en tout cas sur la première partie bétonnée. La partie végétalisée sera peut-être un petit peu après, mais ça devrait être OK pour les SIS. Mais les délais sont très serrés, très serrés. Et évidemment, nous faisons tout pour que les locataires puissent entrer au moment qui avait été fixé. Et puis oui, effectivement, je termine juste, Monsieur le Président, par rapport à la piste cyclable. Donc, les palissades sont utiles puisque les travaux se font sur le mur nord. Ils devraient être terminés mi-août. Et ensuite, les informations que j'ai reçues de l'architecte mandataire cette semaine me donnaient encore 2 mois pour terminer le trottoir et la piste cyclable, ce qui fait une réouverture sans possibilité d'accélérer les choses, quand bien même j'ai vraiment demandé au service des travaux de travailler en sens et de mettre la pression, sans possibilité malheureusement avant mi-octobre de rouvrir cette piste cyclable. Ça aurait été extrêmement long et extrêmement regrettable, mais c'est pas faute de la ville de Lancy d'avoir essayé de faire avancer les choses plus rapidement. Merci. Je vous remercie. Qui voudrait encore répondre à la question de Monsieur Clémence et de Monsieur Haas? Si je ne me trompe pas, on n'a pas eu de réponse encore. Concernant la pollution de l'air. Merci. Oui, effectivement, on a eu une pollution de l'air, bon, une parmi d'autres, j'ai envie de dire. C'est pas la première fois que malheureusement on a une pollution qui nous vient d'entreprises en amont. Souvent, ça peut être la zone industrielle de Plain-les-Ouates, ça peut être aussi d'autres entreprises encore plus en amont du côté français. Il faut qu'on trouve une solution. C'est évident dans la mesure où de plus en plus, on s'en est rendu compte en plus avec le Covid, de gens empruntent en fait, profitent en fait de ces espaces publics-là, se baignent dans l'air. Hein. J'ai quand même carrément vu des gens se baigner dans l'air, alors que c'est considéré comme étant quand même une rivière à problème en termes de pollution. On a contacté le canton à ce niveau-là pour qu'on puisse trouver une solution, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à travailler sur, on va dire, sur la renaturation de l'air si cette rivière reste toujours polluée. Donc voilà, on essaie de trouver une solution, mais c'est compliqué parce qu'on a des partenaires français qui sont, on va dire, un peu moins au taquet à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie. On est arrivé au bout de notre ordre du jour. On va clore cette séance. Normalement, nous aurions les questions du public, mais je ne vois pas de public dans la salle. Donc voilà. Comme il a été demandé en début de séance, je vous demanderai de rester quelques minutes à disposition pour pouvoir éventuellement répondre à des questions de Madame Manfrini qui est là. Voilà. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci.